Moi, il y a un message à passer à Los Azad, Vous allez le sortir cabron ou de quoi? merde là, qui a la plus grosse prime de la ville. Écoute-moi bien, Azad. Si je t'attrape, tu es mort. Ouais, on va pas C'est tarder. moi qui ai la plus grosse prime de la ville. C'est pas toi, cabron. T'as bien compris? Ok. Hijo de puto de merde. Oh. Arrêtard! Aïe! Pourquoi t'as sauté? Aïe! Pourquoi? J'ai perdu le contrôle de los vehículos! Tu m'as crevé les pneus, cabron de merde! Merci, Chupa Mignano! On va exploser, hein? Extinction. Allez, hop! Il a explosé! Vivre à poil or mourir habillado! Réfléchis bien! Je promets, je vais t'aider, je te jure, là! Ça commence à bien faire! Non! Arrête de me dire que On a dit slip au plomo, donc est-ce plomo, cabron de merde? Je préfère me confier à personne car ils partent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Je veux que ma mère soit fière de moi. Les hermano, on va braquer. Qu'est-ce que tu. Non? Si, si, on va braquer. Pourquoi on va braquer? Là, ça là? Oui, ça. Oh là, est-ce un braquage? Levar okay. les manos! Chut, parle pas fort, parle pas fort. Je te laisse braquer ma banque, y'a pas de soucis. Mais là-dedans, y'a full gouvernement qui me casse les couilles. Y'en a rien à foutre! Je t'ouvre toutes les portes, tu leur mets la misère, s'il te plaît. D'accord. Je laisse braquer ma banque. Allez, allez, là, maintenant, allez, on va s'occuper du gouvernement. Levar. Oh, allez, c'est parti. Ils sont à quel état? Lève les mains. Est-ce un braquage? Lève les mains, toi. Levar le manos. Lève les mains. Il braque la Pacifique. Stop. Andale. Ok, bon, ok, on se barre, on se barre. Partar, partar, partar. Ok, ok. Vous êtes où, les cabrons? Ah. On a chopé tout le monde. C'est bien. Oh, on a les otages du coup, c'est bien. On a même une chica si tu veux. Parfait, tu vois, je vous l'ai dit. Là, non, mettez-vous ouvre la porte ici. Devant l'ascenseur, les otages. À Il part le coffre. Le bancard. Non, les otages. Venga. Venga, los otages. Venga. Hijo de puto de cabron de mierda. Avec ta calvitia, tu vas où? Toi, va devant l'ascenseur. Vas-y, viens, viens, viens. Il avait péter une câble. Il avait vous tuer. Comment tu t'appelles toi? Comment Allez hop. Comment tu t'appelles? Gulliver Montmirail. Gulliver. Et toi, comment tu t'appelles, cabron? Ondo, Ondo. Ondo. Et toi, Miamor, comment tu t'appelles? Pourquoi la porte ne s'ouvre pas là? Comment? Lior Anderson. Oh Lior, oh là Lior, ça va? Mais c'était la chica de Vertu quoi ça? Ça va, on va dire ça. Miguel. D'accord. Oh. Eh. Un otages de plus, cabron. Voilà là. Et toi, comment je t'appelle, cabron? J'ai du mal à rentrer, mais voilà. Oh, Miguel! Ok. Viens voir, okay, c'est bon. Attends, Nar. Oh. Attends, mais c'est les Tunis. Okay, Yor, je reviens, d'accord? T'inquiète pas, je reviens. Yor, je reviens. Mais non, pas de panique, Lior. T'inquiète pas. On peut pas ouais, la porte. Miguel? Oui. Ah, sa merde, c'est parce que t'as un petit peu d'électricité dans la gorge, je crois. Ah ouais? Non, c'est pas moi, il l'entend aussi. Tu vas la voir et tu lui dis. Ah. Tu es venu pour le trésor de la banque, mais la vérité c'est que le trésor c'est toi. Oh. Lior. Ouais, oui. Je suis venu braquer la banque pour trouver le trésor et je crois qu'il est en face de moi. Alors là, si tu tombes pas amoureux, j'en ai putain. Vu des phrases, mais alors celle-là. Oh, t'es incroyable, Miguel. Et c'était quoi Je peux vous donner des conseils, hein. Vous pouvez l'épouser pour 2 millions de dollars si jamais. 2 millions Lior, t'en penses quoi, Lior? Les policiers, ils arrivent. De quoi? Bon, va te faire encouler, Lior. Tu me casses les couilles, tu comprends rien. Oh, hermano, Dios mío. On est dans la merde. Ok, ça, on est encerclado. Oui, ça va, los pollos? Tu me reconnais? Oui. Eh ouais. Los pollos! Il y a un problème. Pourquoi Azad vous, il a une plus grosse prime que moi? Hein? Pourquoi? Parce que monsieur Azad a fait des délits plus graves que vous. Que moi? Oui. Impossible! Si, c'est possible, monsieur. Vous faites peut-être beaucoup de trucs. Et beaucoup de trucs minimes. Oh là, radio! Oh là! C'est pas pour ça qu'il faut en faire plus, c'est d'accord? Ok, attends, Dar. Je te laisse raconter. Oui, Lorio, ça va, hermano? Ça va, refait?
Pourquoi t'as la voix cassée? Encore lui? Oh, je sais pas, mais on est à la Pacifique. Mais moi, qu'est-ce que vous faites? Ben, on est en train de la braquer. Attends, vous avez déjà commencé? Oui, oui, on est en train, tu veux que je demande que tu viennes? Attends, mais je vais vous enculer tous à part là. Pourquoi, hermano? Comment ça, vous m'avez pas attendu moi pour le braquage, mais vous êtes complètement terrible. Ça s'est fait de manière instinctive. Oh, Jules, ferme un peu la fenêtre en haut, s'il te plaît. Ok, j'arrive, mais je m'attends au pire. Vraiment, d'accord. Là, je m'attends juste au pire, en fait. Ok, los pollos, escúchame. Y'a un amigo à moi qui va arriver, d'accord? Vous le laissez entrer. Pour quelle raison, monsieur? Attendez de faire ça. Avant de faire ça, on va d'abord un peu parler, d'accord? Non. D'abord, il vient parce que c'est lui le chef de l'opération. Non. D'abord, vous patientez. C'est pas moi le négociateur. Et bah alors, vous présentez pas, monsieur. Vous avez un plan, vous avez quelque chose, vous avez tout préparé, j'espère. Oui, on a un plan. On a un plan. T'inquiète pas. Rio secours. On a un plan béton. Écoutez, monsieur, combien avez-vous de temps, s'il vous plaît? Je vais vraiment. On en a 4. Je vais devant les flics. Non, 6. En fait, 6, mais c'était pas voulu. Parce qu'il y a les deux bancards. Il y a 3 civils et une chica. Mais je vais la garder parce que je suis amoureux d'elle. Oula, ne faites rien avec elle, monsieur, d'accord? Ben si elle est d'accord, pourquoi il ferait rien? Parce que ce n'est pas un endroit approprié, monsieur, d'accord? Ça lui ruinerait sa vie. D'accord. Bon, écoutez, savez-vous me montrer les otages, s'il vous plaît? Les otages? Attendez que le chef de l'opération il arrive et après. On fera rentrer la personne si vous nous montrez les otages. Il peut pas, c'est pas moi le chef. Je demande rien de plus. Voir les otages et il rentrera. Oh, tu as pris du galon, commissaire. Merci, Matt. Je veux juste voir les otages, monsieur. Tu es autoritaire. La dernière fois que j'ai braqué, tu n'étais pas aussi percutant. Je veux juste voir les otages, monsieur, s'il vous plaît. Je t'en montre dos, d'accord? D'accord. Vous avez combien, vous avez dit? On en a 6. Bon, on va être 3, s'il vous plaît. 3, d'accord. D'accord, vous êtes vachement autoritaire. Capitaine. Ok, les 3 chicos, vous venez avec moi, par favor. Enfin, il dit par favor, mais vous avez pas le choix. Si vous venez pas, je vous tue. Tiens. Cabron de merde. J'ai un sac maintenant, vous voyez pas. Kayate. Arrêtez de parler. Vous venez, vous montrez vos têtes, vous faites demi-tour. D'accord? C'est bien d'accord? Oui, c'est bien d'accord? D'accord. Oui, monsieur. Lève tes mains, levez les mains tous les 3. Allez, dépêchez-vous. Levez les mains! C'est moi le chef de l'opération ici! Comment ça a circulé? Vous êtes fou ou quoi? C'est bon, il t'a montré les otages de toute façon, c'est parfait! Tu arrives à temps! Super, bonsoir monsieur, vous allez bien? Allez, rentrez les otages, dépêchez-vous! Ça se passe bien? Rentre! Rentre ou y'a tout! Pardon! Allez, viens! Bah viens négocier avec nous! Viens! Allez, viens! Je te parle! Avant que t'assumes, à moi? Oui, je te parle, je suis avec la police, vas-y maintenant. D'accord. Je vais faire un braquage, vas-y, allez. Glorio, c'est vraiment beaucoup d'argent qu'on a là. Hein. Un braquage, c'est spoil. Les gars, le jefe, il est avec los pollos. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as demandé quoi comme revendication là? Bah, il n'y a rien demandé encore. Viens avec moi dedans, allez, viens. Ok, los pollos, peut-être il ne veut pas sortir parce qu'il va me tuer. D'accord. Courage à vous. Gracias. Oh, 500 000. Bah, y'a une bonne partie qui doit venir pour moi pour le truc en question. Y'a vraiment 1 500 000. C'est qui, là, hein. C'est... Le M. C'est le M, le L, le mais on fait ça. Qui c'est qui a décidé de faire la pacifique? Regarde, pour une fois, moi je vais dire, regarde, j'avais besoin de thunes, je t'ai dit à Miguel il s'est chauffé, il a chauffé. D'accord, il va tout te dire. C'est l'autre, Lazaro, il m'a dit, il faut faire le braquage. Il a dit non, Lazaro. On peut le pas. Pire, c'est qu'il est pas venu. Lorio, il va péter une câble. Il a dit, on fait le braquage. Oui, parti. Du coup, il est venu. On est allés tous ensemble. C'est Lazaro qui a dit. Oui, on a commencé à braquer. Il a niqué tous ses morts. Oui, et après, il est parti en courant, Lazaro. Il a dit, moi, je me casse. Il voulait. Là, on est tous les 5. Ouais. 6. Ouais, bah après, il y a Chupapi. Il est où, Chupapi? Tous les Lazaro, Lorio. Il lui dit, Lazaro, non, c'est pas une bonne idée. Lorio, il va pas être content. Aïe, arrête. C'est pas de ta faute. Aïe, arrête. Qu'est-ce que t'as demandé? Il y a rien demandé encore. Il y a rien demandé. Il y a deux, une colonne d'assaut de 2 personnes. Ça fait peur, ça? Il y a combien d'otages, là? 6. C'est quoi le plan?
Regarde, écoutez-moi, je viens de me réveiller. Je me suis dit peut-être que je vais dire bonjour à Mermano. Je vais leur dire bonjour, on va boire un café, on va discuter d'un braquage peut-être. Je dois venir à mon réveil un peu tard braquage. Bonjour. Hola, hola. Hola, Lorio. Comment est-ce bien dormi? Enfin, là, on te dit. Non, tu lui fais arracher les cheveux, le pauvre, il en peut plus. Il va avoir une calvitie comme calvitie. Il va avoir une calvitie avant l'âge de bâtard. Ok, là, on a los revendicaciones. Allez-y, on vous écoute, je transmettrai le message. On veut que tous les pollos vous mettiez en caleçon. Quoi? Oui. Non. Sinon, on tue los otajes. J'ai pas compris, c'est quoi la revendication? Tous en slip. Attends, il y a ça quand même. Bah il fait chaud après tout. Sinon, on tue los otajes. On va en discuter, d'accord? D'accord. C'est quoi la monnaie d'échange? On vous en donne un. C'est quand même humiliant, monsieur. Oui. Oh, ils en ont 6. 2. Faites un effort. Ou non. Il se referme. C'est juste le premier pas, donc je vous en donne uno. Ça a quelle valeur pour vous comme ça? Oh, rien, c'est un petit plaisir, histoire de libérer un otage. C'est un fantasme. Oui. Ouais, là, c'est humiliant. C'est bon, c'est comme, pas, bon, c'est comme vous voulez, je vais tout voir. Je reviens. En vrai. Y'a tu? Un petit message philosophique en mode on baisse notre pantalon. Ça dépend et tu lequel aussi. Mais tu sais que là ta prime ça va être augmentée, espèce de sombre. Mais oui, de merde pas... Mais oui, je lui ai fait exprès. Passe quoi, c'est passe quoi? Bah on a tapé le. Tu veux la cocaïne, hein? Attends, là. Quoi? Il lui vend la cocaïne. Il sera un coup de tête. Viens à la Pacifique et essaye de t'immiscer. Non, mais. Vous en êtes où là? On a des hommes de valeur ici, d'accord? Oui. Je vous propose. Que le capitaine baisse son foc à la sécu au casino. Non, todos. C'est 10 000 par tête. C'est bon ou pas? Vous pouvez garder les gilets. Vous enlevez le pantalon et le t-shirt. Non, mais là c'est. Mais attendez, Lerman. On est tous dans le cage de banque là, c'est de l'humiliation. Non, écoutez, monsieur, ce ne sera pas possible. Ok, il y avait tout l'otage. Monsieur, il y a d'autres choses. On peut vous donner de l'argent, monsieur, de la nourriture. À volonté. Je déconseille, tu me dis. Arrête, non, tu pas les otages, je vais t'arracher la gueule. Reviens ici. Non, il bluffe. Ok, Lior, okay, tu viens avec moi, Lior, viens. Quoi, lui, c'est un poyos, lui. Je sais pas, vous avez un insigne, Je sais pas. Ça va, Hermana? Hein? Tu tiens le coup, Lior? Oui. D'accord. Tu m'appelles Hermana maintenant? Mi amor. Ah, c'est autre chose, là. Maintenez-le. Mets-toi à genoux par terre, Lior. C'est la vice-présidente. Ok, rentre. Merci. Là, faut que... Très vite, rentre là. Les hermanos, on a la vice-présidente en otage. Revois avec tes copains. Jure. Oui, le Lior. Oui, c'est la vice-présidente. Oh là. Incroyable. Pourquoi tu dis ton nom? Ok, toi, tu es une poyos? Non. Il est en train de nous lire les droits, ça. D'accord, Benga, avance, tu vas dehors. Allez, avance, Ar. Lior, tu peux te remettre là-bas. Marche devant moi. Lior, c'est la vice-présidente, donc attention. Ça allait pas, allez. Mets-toi à genoux par terre, à genoux. Ok. À genoux. C'est le président, ça? Non. Comment tu t'appelles, toi? Ondo. Mais attends, mais s'il y a la vice-présidente, il y a forcément le président. C'est qui le président? Comment il s'appelle? T'es le président ou pas? Écoutez, non. Il vient de dire oui, hein? Il a dit oui? Non. Si, il a dit oui, j'ai joué, t'as dit oui. Tu es le président? C'est pas le président, c'est pas lui le président. Le président, il est en tôle. Bon, escoute jamais, los pollos. Il y avait comptage jusqu'à 10. Bah, vous faites quelle banque là? Si, écoutez, à la. Monsieur, non, tu me laisses terminer. Je m'en fous. Je compte jusqu'à 10. Si à 10, vous êtes pas todos los pollos, está sans le t-shirt et le pantalon, il y a le tout. Uno. Écoutez, monsieur, on a négocié avec votre collègue, d'accord? Et dites-lui, monsieur, s'il vous plaît, faites quelque chose de votre. Dépêchez-vous! T'as demandé quoi? Quattro! T'as demandé quoi? Qu'ils soient tous tout nus, qu'ils soient tous nus. S'il vous plaît, les gars. Cinco! Il va le faire! Ça va déclencher l'assaut, Il va le faire! Arrête! Laisse-moi faire! T'as commencé à arrêter! Non! Arrête! Siete! Arrête! Ocho! Arrête ça! Stop! Arrête! Il faut qu'on se soutienne!
Mais non, mais c'est super. Je vais pas tirer dessus. Noël, j'ai enlevé le truc. Arrête, arrête. S'il vous plaît, tirez pas, c'est tir juste. Non, tire, ne tirez pas. Arrête. Non, non, ne tirez pas, ne tirez pas, attention, ne tirez pas. Parce que s'il vous plaît. Parce qu'on peut négocier mieux. Mais oui, mais c'est pour ou non otage après dès qu'ils sont tout ce qui se met tout nu, c'est bien. Mais est-ce que tu penses? Je vais augmenter ma prime, cabron de merde. Mais pas dire c'est pas dire t'es qui? Et il le savait. Ça ira plus vite. Et ben tant mieux. Et bah regarde, je leur demande en recommandation. Il demi. Non. Non, monsieur, écoutez. Regardez, vous faites une telle erreur. Levez-vous. Non, négocier avec votre collègue. Levez-vous. Regarde, demande-leur qu'ils augmentent ta prime. Tu vas voir, c'est déjà mieux que rien. Non, je vais l'augmenter moi-même pour de vrai, pas. Allez-y, l'otage, mettez-vous derrière là. Excusez-moi, on est bien d'accord d'un truc. Vous savez que c'est Miguel derrière. Oui. Donc, on est quand même d'accord que à cause de ce gros braquage qu'il est en train de faire, sa prime elle va augmenter toute seule. Oui, bien sûr. Voilà, c'est bon. Non, là, c'est bon, t'es content? Là, les hermanos, là, ils ont vu qu'on n'était pas un groupe soudé. Mais ils vont se prendre de 1 milliard. Non, je veux le faire monter naturellement. Mais puisqu'il est le seul démasqué et qu'on a que ce message, c'est lui qui va prendre. Là, ils vont se parler à la radio. Ils vont dire oui, le groupe, il est pas soudé. Regarde, ils se contredisent entre eux. Là, vous m'avez pas soutenu. C'est ta nouvelle coachée, ça? Ouais. Je pense que c'est qui le chef? Elle est où l'ancienne? Ben celle-là, c'est celle-là, mais il a amélioré. C'est celle-là, mais en custom. Et je t'avais dit quoi hier? Tu m'as dit quoi? Ah, le chefé. C'était quoi ta punition hier? Ah! En fait, hier. Ça va, Lorient. On en parlera après. Attendez, j'ai une vraie question. On est 7 et on a une voiture 4 places. Lorient, il m'a abandonné hier, Miguel. On fait quoi de ça? Pablo, pas les regardez, monsieur les agents, Moi, je vais vous demander un truc, s'il vous plaît. Rentre avec les otages. On va régler les trucs proprement. Il y avait des véhicules sur le côté, à côté de cette VR. On veut qu'ils soient. Escorte-le. Ils ont. On n'y a pas touché. On finit le braquage. Bah, malheureusement, vous avez touché vu que c'était là. T'as vu ta voiture? Comme un gitan, je vais la désosser. Non. Je vais te désosser. Non, tu vas pas. Je vais tout désosser. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas voir. Non, mais t'as vu ce que tu m'as fait hier? On a sauté en parachute. T'as sauté. T'as voulu sauter. Non, c'est toi. Ah, c'est quoi? C'est parce que Yasmin Mastermind, Lorio. Non, Mastermind, je vais même foutu ta gueule. Espèce de ma mère, Lorio. Aïe! Espèce de grosse merde. Tu vas voir Mastermind. Mais Yasmin Mastermind, Lorio. Tu me mets dans la merde. D'une pratique. Je voulais faire un braquage de flic. Après. Lorio, je suis quand même d'accord avec lui, hein. Je vais le taper à l'intérieur de la banque et pas à l'extérieur devant tout le monde. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Oh là. Ici le Weasel News. Vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Et vous, vous m'entendez? On entend, okay. On entend très bien. Alors, aujourd'hui, on est avec le jefe de Los Vagos, apparemment. Oui, le jefe de Los Vagos, Miguel Raconte. Miguel Raconte. Ah, mais vous êtes recherché, monsieur. Oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes recherché par tout le LSPD, etc. Vous n'avez pas peur aujourd'hui de vous mettre encore plus comment dire, dans la merde? Non, nah, il n'y a pas peur. Moi, vous savez, en tant que jefe de Los Vagos, ce que j'ai appris, c'est que Los Pollos están de hijo de puto et qu'on peut compter que sur nous-mêmes et sur mes frères, Los Vagos, mes pequeños, comme on dit. D'accord. Et vous avez braqué une banque aujourd'hui? Oui, la Pacifique. La Pacifique, oui. On peut savoir le montant du butin Il y a 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, d'accord. Oui. Ok. Et on peut savoir si vous avez fait des plans préparés ou si vous avez fait ça. Hermano, la Santa Madrina, elle me guide. Il n'y a pas besoin de plus. La Santa quoi? Je sais pas. La Santa Madrina. D'accord, la Santa Madrina, d'accord. Tu vas conduire une coachée, toi ou quoi? Ok, monsieur le jefe. Répétard? Peut-être un message à passer à votre barrio? Moi, il y a un message à passer à Los Azad, le cabron de merde qui a la plus grosse prime de la ville. Écoute-moi bien, Azad. Si je t'attrape, tu es mort. Ouais, c'est moi qui ai la plus grosse prime de la ville. C'est pas toi, cabron. T'as bien compris? Okay. Hijo de puto de merde. Super, impeccable. Merci beaucoup, monsieur le jefe. Monsieur, racontez, hein, c'est ça. C'est pas raconter. Le jefe, c'est pas le jefe, comment ça, le jefe? Si, c'est le jefe, ta gueule. Si, c'est le jefe, c'est le jefe. Apparemment, c'est le jefe, monsieur. Ah, oui, c'est le jefe des habitantes, c'est vrai. Cayate, cabron de merde, toi aussi. Bon courage pour le braquage. Gracias. Hasta la vista, baby. Viens avec nous. Bombardez, je suis devant vous. Bombardez. Il est au bout, à droite. Foncez.
Mais là y'a trop, là y'a trop de personnes. Oh le plan de ouf, t'es un monstre, t'es un monstre. Moreno dans le coffre. Allez allez venga. Y'a l'hélicoptère là sur nous. Doucement, 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 doucement. Ouais c'est bon ça, faut juste faire. Y'a l'hélico hein. Y'a laissé ma coche là-bas. On a plus de voiture maintenant. Non, arrête-toi pas hein. Conduis sa coche de merde là. Y'a abandonné. Vous allez bien? Ouais t'es où? Il s'est caché dans le labyrinthe. Ça va pas marcher ma méthode. Vas-y, bah on se revoit au parloir, c'est ce poucave. Il a 200 000 sur lui. Et vous voulez que je lui laisse 1,5 million hein. S'ils ont pas tourné là, c'est qu'ils ont tourné ici. Miguel, t'es en radio ou pas? Oui, hermano. S'ils sont passés là... Ils sont là. Oh là là, mais sérieux, je suis trop fort. Je suis trop fort. Mais je suis un monstre. La théorie des routes, je vous ai retrouvé. Comment? Comment? Non, non, il y a zéro théorie là. Si, si, je te jure. Je te jure. La vie de ma mère, je n'ai pas trichado. La théorie du Altab. Non. Vas-y, vas-y, explique ta théorie, vas-y, explique. Mais j'ai vu dans quelle direction vous êtes allé. Je me suis mis à votre place. Il a dit, si moi j'avais été là, il retournera. Après, il retournera. Et après, vous êtes arrivé ici. Niqué, Miguel. T'es pas. Hey, t'es con. Pardonne. Pardonne, Lorio. Rends-moi ma coche, Lorio. Por favor. Por favor, Lorio. J'ai envie de lui rendre juste comme ça. Rends-la-moi. Non. T'as fait un truc. Écoute-moi, Miguel. On va le braquer et on va lui prendre la coche. S'il te plaît, dégage. Mais non, tu peux pas braquer le chef, tu peux pas. Qu'est-ce que tu racontes, mes trous? On s'en bat les couilles. Non, c'est le chef. C'est le chef. Non. Est-ce que le chef de los vagos locos? Le chef qui conduit la voiture des vagos. La voiture des locos. Ok, tu veux nous suivre? Regarde. Oui, il vous suit. Tu nous suis, t'es sûr? Oui, il vous suit. Oui, il vous suit. Ok, allez, direction la plage. Maintenant, tu. Quoi la playa? Et alors? L'eau! Non, Lorio! Lorio! Lorio, je me suicide! Je me suicide! Je meurs! Non, Lorio! Si tu fais quelque chose, je veux être là! Non, je veux être là si jamais lui arrive quelque chose! Mais qu'est-ce que tu vas faire, Lorio? Laisse-moi faire! On te prévient, t'inquiète, dans 5 minutes on t'appelle! D'accord! Allez, montez, il est là. Montez. Arrêtez! Ma coche! Mais non. Tirez! Non! Raté! Raté! Il va nous rafale, attention! Tu nous as tiré dessus? Il a tiré sur la coche. Tu me tires pas dessus, hein? Je te jure que je te bute. Il a perdu deux pneus. Quoi? Il a sauté! Aïe! Aïe. Wesh! Mais... On se l'a intercepté! Pourquoi, mi hermano? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi t'as sauté? Pourquoi? Attends. Mais tu m'as crevé les pneus et perdu le contrôle de los vehículos! Pourquoi t'as sauté? Pourquoi? Arrêtez! Aïe! Pourquoi t'as sauté? Aïe! Pourquoi? J'ai perdu le contrôle de los vehículos. Tu m'as crevé les pneus, cabron de merde. Lorio, descend vite. On va finir non. Le travail. Arrêtez. En ta présence. Por favor. Arrêtez, non. T'as un dernier mot à dire à ta coche? Ouais, ça marche pas. Hey oh ah, non, c'est bon. Pourquoi non? Ça va péter. Lorio! Oh, Lorio! Merci! Merci, Chupamignano! Ça va exploser, hein? Extincteur. Allez, hop! Il a explosé avec.
Faisons une prière pour la voiture. Pour Lorio et pour Chupapi. Chupapi. Le réfet est mort, il nous faut un nouveau réfet. Il a explosé Lorio. Il manque le réfet. Lorio il est parti dans l'eau. Il a sauté. Mais non, il est parti. Ah non, il est là, c'est bon. Mais. Il m'a raté. Chupapi, on en a rien à foutre. Ah, ça fait du bien. Pourquoi tu as fait ça? Mais attendez, mais non, on en a rien à foutre, il y a Chupapi, il est au sol là. Chupapi, il est là. Mais pourquoi il explose avec? Il est dessus. Avec un extincteur. Lorio. Pourquoi? Ça te fait du bien? Mais non, ça me fait pas du bien. Je t'ai dit tout à l'heure, fais genre t'en as rien à foutre. En fait, écoute-moi, tu m'écoutes? Écoute-moi. Je me suis rendu compte que c'était pas toi le problème. Mais c'était ta coachée. Je me suis posé tout seul parce que tu vois, tous les jours, j'étais en train de serrer du cul. Et je me suis dit, peut-être que c'est pas lui en fait le problème. Et j'ai dit, c'est l'objet, donc sa voiture. J'ai éliminé le problème. Ok? Tu comprends ta punition? C'est normal que tu pleures, t'as perdu quelque chose qui est très cher. Tu m'as pris ma coche. Oui, il y aura plus de problème. Il y aura plus jamais de problème. Tu m'as pris ma coche. Tu as pas pris ma coche, tu as pris le scotch de los vagos. Ensuite, le coche de... La coche del todos. La coche del locos, cabrón de mierda, por qué? Eh ben là maintenant c'est la coche de... Del fuego. Del fuego, c'est del fuego. Là c'est fini. Oh, la coche del fuegos. Si, fuegos. Por qué t'as fait ça, Lorio? Arrête de bouder, je t'ai expliqué pourquoi j'ai fait ça. Arrête de bouder. C'est pour ton bien. Pourquoi son numéro il est... Il est mal au cœur, Lorio. Tu l'as le nouveau numéro ou pas de... Il n'est pas, Lorio. Quoi? Il n'est pas. Mais je t'ai même pas demandé. Il n'est pas. De qui? Je sais pas, mais il n'est pas. Ah, genre là? Là tu boudes. Là tu boudes et tu veux plus rien me donner. Que c'est que cette merde? C'est ta nouvelle voiture. Là là. Oui, c'est ma coach. Ah, j'ai envie de puke. La vie de ma mère est incroyable. Oh, t'es mal devant, il est tout plat. Putain. Ah, ben voilà, t'as une nouvelle voiture en fait. Ouais, mais bon, elle est moins bien. Tu veux pas la custom? Après, il y a pas encore la plata. Ah, ouais. Et je travaille au Bénise, nous on te le fait, nous, Pierre. Non, il fait pas la charité, moi, cabron. Je travaille et je paye. Hijo de puto. Il est incroyable. Oui, bon, tu veux quoi? Tu grimpes ou tu grimpes pas, cabron de merde? Hasta la vista, baby. Hasta la vista, poussin. C'est ta chica, cabron de merde? Non, c'est ma madaronne. C'est ta daronne? Oh la daronne! Ok, c'est ta chica ou pas? C'est la chica de personne. Ah, c'est plutôt la chica de tout le monde de ce que je vois. Il est où? Il est où, Lorio? Ils sont tous en train de dormir. Lorio, il dort! Pourquoi? Parce que tu lui as fait trop mal au crâne. On va faire la Pacifique? Encore? Mais. Ouais, je sais. Non, par contre, on peut faire le plan de la bijouterie que Chupa il avait pensé. Hein. Non, mais y'a pas Lorio. Les hermanos, y'a la pollo, s'il me poursuit! Répondard, cabron de merde! Dis pas, ils sont déjà en train de te poursuivre, Miguel. Si, ils me poursuivent, je suis au parking de la dernière fois. Bah, force à toi, faut que tu trouves une nouvelle spéciale. Ça va, Los Baras? Regarde-le, cette merde. Mais en plus, il traîne sur McDo. T'as dit quoi, cabron? Pardon. Est-ce que ça existe pas une monde où justement la spéciale, c'est que l'avantage, c'est d'être gros? Ça doit exister, non? Genre, si t'es gros, tu passes, mais avec une petite voiture, tu passes pas. Une monde, j'ai dit? Y'a m'arrête pas, cabron! Va te faire enculer! Allez, arrêtez-vous là, arrêtez-vous sur le côté là, allez! Y'a m'arrête pas, va te faire enculer, cabron! Allez, arrête-toi là, allez, hop hop hop! Mais y'avait pas m'arrêter, en plus, c'est toi, tu m'as rentré dedans! Aïe, mais cabron, passe pas devant moi! Y'a un camion! Je suis au canot derrière los balas! T'arrives. Aïe, y'est mort! Le canot derrière los balas! Je me suis retourné! Allez! On se dépêche, on se dépêche. Aïe, il me rend, arrêtard. Allez, descends. Je suis bloqué dans la. Il est en train de se noyer, vas-y, ouvre la porte là, vas-y. Arrêtard! Je me noie! T'es où exactement? Ah si, c'est bon, je le vois. Respirez. Monte pas dans leur voiture, monte pas dans leur voiture. Je suis presque. Bon, allez. Ah merde, c'est l'autre porte. Ah merde. Nara, t'es prêt à monter, Miguel? Monte. Mais attends, on va sortir de la flotte. Attends, j'ai le sommet. Aïe, allez, Dar.
Ça va, messieurs? Aïe. Vous pourquoi vous m'avez fait ça? Poyos de merde, pourquoi? Comment ça? Comment ça? Bonjour, c'est les EMS. On vient récupérer les blessés. Oui, montez, on a reçu un appel. On va le soigner. Je peux voir mes non. Aïe! Roule! 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 C'est fermé! Non, c'est fermé! Quoi? Arrête-toi! La voiture, elle est fermée! Non, elle est pas fermée! Non. Si, elle est fermée! Aïe! Cabron de merde, j'ai jamais vu ça! Décidément, bon. Alors là, tu m'as frappé, tu m'as dit d'aller me faire enculer. Là, par contre, je vais. Pardon! Ouais, pardon! Pardon, hermano, pardon! Miguel, je te jure, c'est pas fermé! C'est maintenant, Miguel, c'est maintenant! T'es prêt ou pas? On arrive, c'est tardé maintenant! Aïe, j'ai les lunettes, ça va te coûter cher! Hein. Aïe! Monte, on te prend! Y'a mal! On va t'appeler des. Aïe! Circule! Vite. Non? Ouais, putain. Je circule! Roule! Let's go! Cabron, elle était fermée la voiture! Frère, c'est. Non, ma coche, hermano, ma coche! Et là, elle est retournée dans l'eau! Elle est morte! Il en faut une nouvelle là? Elle est morte, ma coche! Mais non, regarde là, les poyos, tu vois, hop! Mais arrête, tu quoi? Mais non, arrête! Ah ouais? Bah oui, t'es pas pas là, cabron! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est... Regarde, passe par en bas, passe par en bas! Non, regarde, fais-moi confiance! Il te voit, cabron, mais bien sûr! Attends! Oh! Non! Arrête, on va mourir, arrête! Non, ouais, j'ai fait demi-tour. Ah, qu'est-ce qu'il fait? T'es trop fort! Non, mais ma voiture, elle est retournée, bon. on ira après. Par contre, ils ont pris ma plaque, ces fils de pute, c'est pas drôle. Et là, bah, ça passe? Ouais, roule! Loin, va, loin! Oh. Bien, ah, bah, ils sont finis. Bien, Jugar! Bah vas-y, ouais, aïe! Yo, bouge-toi, cabron, tu as contre-sens, hijo de putain! Mais tu vois pas qu'on est en train de parler? Ah, sale merde! Ça va, Alvarez? Attends, je vais chercher la botte. Quoi? C'est qui, Alvarez? Elle est morte, Alvarez? Attends, oui, mais elle est con, lui! Mais. Arrête, Alvarez, arrête! Arrête! Arrête, barras de merde! Mais bon, il y avait Vounicar. Fatou, plante-le! Tu voilà, Fatou, vas-y! Arrête! Raté! Oui! Plante! Tu fais le fou! Oui, t'esquive! Oh, Fatou, t'es sérieux ou quoi? Non! Voilà. Aïe! N'importe quoi! Voilà. N'importe quoi! Aïe! C'est la rue la vraie! Oui, c'est la rue la vraie! Hop, dedans! Espèce de merde! En plus, je vais mettre ta photo là sur internet! Aïe! C'est bon, pardonne! C'est bon! Pardonne, cabronita de merde! Aïe! Aïe, j'ai pris une dent, je pense! Pose-toi, cabron! Aïe, j'ai pris une dent! Oh, c'est des pollos! Merde, j'ai regardé derrière! Mais vous me suivez? Bah oui, on vous suit, monsieur. Mais pour qui? Parce que vous avez une vitesse quand même énorme. Et quoi, vous êtes des poyos, cabron? Oui, effectivement. Ah. Donc descendez du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Bien sûr, il descend, il va me garer, pas de problème, le monsieur l'agent. Juste un rappel à la loi, vous inquiétez pas. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va, monsieur l'agent. Et vous allez bien? Ça va, super. Bien, écoutez, monsieur, vous avez un permis de conduire? Allô? Oui, bien sûr. Tenez. Aïe! Descendez, allô. Descendez, monsieur, attends. Vous allez prendre un coup de taser. Les hermano! Je sais pas qui, avec une révolteur, il me poursuit! T'es où? Je suis vers la banque, mais il y avait une chauve, il avait gilet pare-balles, avec les révolteur, customisado! Il avait une M4! Regarde la radio ou pas? Oui! Attends, mais ouais, oui. Y'a Miguel, il se fait poursuivre par une révolteur! Il me fait poursuivre par los revolteros! Je suis tout seul, hermano. C'est à l'armée! C'est l'armée, cabron! Vraiment tout seul ce soir, donc faut aller l'aider, ouais. Ils savent qui je suis! Oui, ils savent que je suis Miguel, voilà, raconte! Là, il va vers la salle d'arcade, mais attendez, il peut laisser Mado. Ils veulent tout choper là? Je sais pas, ils m'ont fait une contrôle, mais il m'a regardé de travers. Il me suis dit, peut-être il m'a reconnu. Ouais. Il m'a regardé en mode, tu es pas Miguel, raconte. Miguel, il y a un mec qui a volé ta voiture au barrio. Quoi? Comment est-ce possible? Ok, les hermano, je suis au parking central. Aïe, non, c'est bon. T'as besoin d'être. Il n'est pas touché, hein? Il n'est pas touchado. Il a vu le bar de près. Il n'est pas touché. Moi, les hermano, ce soir, s'il n'y a pas l'orio.
Je vais essayer de faire augmenter ma prime. Je vous préviens, comme ça vous le savez. Pourquoi il y a une spoiler à ma voiture? C'est un mec en violet, il vient de la déposer, il a dit c'est cadeau des balas. Le spoiler? Bah, il a dit c'est cadeau des balas. Attends, mais il me l'a custom, il a mis une échelle? Mais non, mais. Ce cabron il m'a niqué, moi j'ai voulu l'améliorer petit à petit. Voilà, cette merde. Il m'a niqué, frère. Il m'a niqué, il le savait très bien. Il est trop fort, c'est un mastermind. Il y a donc un nouveau mastermind en ville. Je dois le tuer, il ne peut y en avoir qu'un. Tank. Et je crois que sa bosse elle est sur nos côtes, elle pense que c'est nous. Attends, mais Tank. Le truc de la DOA. Mm-hmm. Tu vas me demander quoi? Tu vas me dire que je fais des raccourcis? Oh, mais. Mais casse-toi! Oh là là. Vous faites quoi là? Par contre, niveau shoot, ça va vraiment plus, hein. Oh mon dieu, mais pourquoi? Mais pourquoi il fait ça, ce fils de pute? Bon, vas-y, je me casse. Ce fils de pute, il a tiré sur la DOA. Comment ça, tu te casses? Tu abandonnes los barrios? Arrêtard, pas abandonnado! Tu veux qu'on fasse quoi si jamais il y a une descente? Tu veux qu'on fasse quoi si jamais il y a une descente là, vraiment? Mais on protège los barrios, cabron de mierda! Il y a un hélicoptère, ado! Mauvais. T'as un losin, tu lui tires dessus! T'as un bonhomme, tu lui tires dessus! Vas-y, tire-lui dessus à lui! Non! Mais non! C'est qui? Lui tire pas dessus! Allez, attends! Va voir! Ça va, beau gosse? Eh, écoute! T'as un revolver, il a un pétard! Comment que j'ai tiré? Oh mon dieu! Attends, t'as tiré dessus? Oui! Oh non, ça doit être loli ça! Oh, je le savais! Merde, il y a un réflexe, je l'ai tué! Je vais le réveiller à coup de baffe! Essaye de le réveiller! Réveille-toi! Dis-lui, c'est Miguel qui doit tirer dessus! C'est Miguel qui tirait dessus! Réveille-toi! T'es un monstre, Miguel, hein! Je te jure, t'es un monstre! Pourquoi? Mais il t'a tiré dessus! Il est mort! Il t'a tiré dessus! Au barrio! Ah, le barrio! Il t'a tiré dessus! Je vais me débarrasser de ce corps! Yes, we're in guitar! L'hermano à la radio, y'a qui? Y'a Luis, Radamel, moi, Mason, toi. L'hermano, y'a los pollos, ils font la descentar! Au barrio! Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? On en a marre! Marre de quoi, monsieur? De los pollos! Parce que vous voulez m'arrêter tout le temps! Non, mais monsieur, vous êtes chez vous, on ne prendra pas le risque de. Yo soy Miguel, raconte, cabron de mierda! Ok, monsieur, mais peu importe. Attends, qui vous êtes, vous êtes chez vous, on ne va pas descendre dans un quartier dit chaud. Tout le temps! Je sors! On me fait poursuivre! Los pollos! Ils veulent m'arrêter! Y'en ai marre! Je vais tuer tous los pollos de los santos, cabron de merda! Ça, monsieur, vous êtes muerto! Mais ça, monsieur, mais ça c'est parce que vous faites remarquer. Vous faites des actions pour. C'est pas vrai! Je suis blanc comme neige, cabron! Vous voulez qu'on reparle du braquage de banque d'hier, peut-être? Oui, reparlons! Bah, du coup, vous êtes pas blanc comme neige. Ah, parce que j'ai fait un braquage, je suis pas blanc! Vous voulez que je. Raciste! Je vous cite ce que vous avez fait. Ah, pourquoi les braquages c'est réservé à ceux qui sont pas blancs, c'est ça? Raciste? Négatif, monsieur. C'est ce que vous venez de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes recherché pour une multitude de choses que vous avez fait ces derniers temps et que tout simplement on doit vous attraper pour vous mettre en prison, monsieur. C'est ce que vous méritez. Viens. Mais ce que je. Non, justement. Là n'est pas le moment, vous êtes chez vous, on ne peut pas agir dans votre quartier car... T'as pas los cojones. C'est pas une question de ça, monsieur. Regardez los vagos, los pollos, il a puerto. Il a peur. Ah, il a peur. Ah, il a peur. Loser, il a peur. C'est bon, calma. Calma, los vagos, calma. Du coup, monsieur, vous êtes recherché pour braquage de banque. Je peux regarder ce que vous avez fait d'autre, du coup, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. À lézard. Pour vous expliquer. À lézard. Vraiment ce que ça veut dire, mais je suppose que ça veut dire oui. Braquage de banque, prise d'otage sur agent de l'État, port d'armes illégales, prise d'otage sur civil, tentative d'homicide sur agent de police, refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police, prise d'otage sur agent de l'État, braquage de la Pacific Bank, ça revient au braquage de banque, et prise d'otage sur haut magistrat. Et si tu continues, cabron, tu vas pouvoir rajouter meurtre sur
policiado. Ok, monsieur, mais là, je suis juste venu établir le contact pour que vous arrêtiez de tirer sur toutes les voitures de police qui passent devant chez vous. Y'arrête pas. Pourquoi? Je viens avec des arguments, monsieur. Parce que on est obligé de faire certaines interventions autour de votre quartier parce qu'il y a des véhicules qui passent et qui font des courses-poursuites autour de chez vous. Mm-hmm. On est dans l'obligation de les poursuivre. On ne rentrera pas dans votre quartier. Mais juste, s'il vous plaît, essayez d'éviter de tirer sur nos voitures de police. Non, il y avait continué. Mais monsieur, du coup, si on ne suit pas les voitures qui roulent à pleine vitesse devant chez vous et qui fauchent, je sais pas, vos enfants ou les enfants de votre sœur ou je sais. Bah voilà, mais il faut pas se faire justice soi-même, monsieur, on est là pour ça. Escucha, mais je suis Miguel, raconte, cabron de merde. J'ai bien entendu, monsieur. Mais c'est juste, s'il vous plaît, pour vous prévenir que d'arrêter de tirer, parce que ça se trouve, vous allez tirer sur des gens qui n'ont rien fait, en fait. Ok, les hermanos, vous m'entendez? Il a déjà tiré sur n'importe quoi. Pointez los pollos. Ah, il a déjà tiré sur n'importe braque, quoi. Braque bien los pollos. Et si je vous dis, vous tuer, d'accord? Pointez-le, mais restez calme. D'accord, il vous braque. Oui, bah, ce que tu fais. Mets-toi un caleçon. Vous promettez que vous arrêtez de tirer sur n'importe qui et sur les forces de l'ordre après? Promesado. Vous êtes sûr? Promesado. Ok. Si ça peut permettre que vous arrêtiez de tirer sur n'importe qui et encore plus sur les policiers. Bien sûr. T'es conscient de ce que tu fais là? Je m'occupe de faire un call radio et je vais faire ça, hein, écoutez. D'accord. Oh, pourquoi tu le fais devenir en caleçon là? Parce que j'aime bien voir los pollos en caleçon. Attends, c'est bizarre ça. Eh ouais, c'est bizarre. Et pour les hommes, Miguel? Non, j'aime les pollos en caleçon. Mais c'est-à-dire que tu es attiré par les hommes? Après, je comprends, je te respecte, t'inquiète. Non, je ne vais pas fuir puisque je suis braqué et qu'à tout moment je me fais descendre. Il est braquado. Braquard. Je sais, il y a un de ses collègues qui a déjà dit qu'il avait tué des civils, donc. T'inquiète pas que tous les coachés qui sont dans cette allée sont morts, hein, t'inquiète pas. Monsieur, se déshabiller, je pense pas que ça réglera la chose. Par contre, j'ai noté votre intérêt sur l'importance de votre prime. Non, il n'a jamais dit ça. Hier, je me souviens d'hier surtout. Ah. Vous vouliez une plus grosse prime. Non. Vous voulez plus une grosse prime. Il veut toi en caleçon. On peut pas négocier les choses autrement, monsieur. Qu'est-ce que vous allez gagner? Los plaisirs. Vous avez des plaisirs un peu bizarres, monsieur. Oui, alors. Laissez-moi réfléchir. Vivre en caleçon ou mourir habillé? Los pollos. Ah, fille, je sais, sauf que là, je suis menacé de mort si je ne baisse pas le pantalon. Du coup, laisse-moi réfléchir. Comme il l'a dit, je préfère vivre en caleçon que mort habillé. Donc, je sais pas quoi. Elle était bien, celle-là, Calvis. Hein. Ouais, mais tu te rends pas compte de ce que t'es en train de faire. Là, si Lorio il apprend ça, il te met en caleçon, toi. Mais pas grave, c'est ton délire. Si tu veux être en caleçon, faites ça et je suis mort en fait. Quoi, ils veulent tirer. Ils veulent tirer, les bâtards. Ils veulent me tirer dessus. Non, mais ils vont pas vous tirer dessus. Pourquoi vous. C'est quoi lui? Est-ce qu'il y aurait pas moyen de trouver un autre arrangement? Attends, Dar, il va réfléchir. Moi, je veux juste que vous arrêtiez d'ouvrir le feu sur nos agents qui patrouillent devant chez vous pour protéger vos familles. Non. Le caleçon ou le plomo? Slipo ou plomo, pollos? Alors? Slipo ou plomo? Un vrai goutte là. Hein. Prends une tête. Ils m'ont pas pris en otage, c'est juste qu'ils me braquent comme moyen de pression pour justement accéder à leurs revendications. Et Armado, si vous êtes à la radio et que vous êtes pas au barrio, y'a besoin de vous. Hein. Mais y'a que. Bon, monsieur, comment dire? Soyez réaliste. Oui. Là, dans tous les cas, vous demandez de baisser mon froc. Oui. Soyons. Vous êtes peut-être pas censé savoir que je suis baisé. Capitaine de police. Je ne vais pas baisser mon froc dans le sens où, je vous explique. Hein, si je baisse mon froc, je montre entre guillemets une image de la police un petit c'est peu. Le but. Comment dire? Péjorative. Bah oui, clairement. Et un capitaine de police qui baisse son froc juste parce que quelqu'un vous tirez sur n'importe qui passe. En fait, moi, je vais juste négocier pour que vous arrêtiez, tout simplement, juste pour vous passer le mot. Sauf que si vous ouvrez le feu sur moi, tous mes collègues derrière, ils hésiteront pas à lancer un assaut sur votre quartier, en fait. Escoute, jamais. J'essaie de trouver un accord. Slip ou plomo? Calbar ou plomo? Tu décides. Le slip ou la mort? Sinon, il y a peut-être laissé une alternative. Dites-moi l'alternative. Tu ramènes un collègue à toi qui va le faire à ta place. Ok, je vais voir. Non mais attends, c'est lâche si tu fais ça, mais t'es sérieux? Oh, c'est un vrai lâche, oh je suis choqué. Ouais, ou de lâche. Carbar or bâtard. Elle est bien celle-là aussi, hein.
Hein, Calvas? Non, Calbar au plombo, c'est mieux, non? Non, Slip au plombo. Et Calbar au bâtard. appelle los juristes. Vous avez un matricule en particulier ou pas? Non. Mais il aimerait bien que ce soit toi. Bon, monsieur, je vous le demande encore une fois, s'il vous plaît, monsieur Raconté. Soyez réaliste. Voyez tous les agents qui sont là-bas. Oui, il y a voix. Ils sont prêts. Ah, monsieur, en plus quelqu'un a appelé les journalistes, monsieur. Qui a appelé les journalistes? Qui a appelé les journalistes? Ah, les... On vient de me dire sur la radio que sur Twitter, ça a appelé les journalistes. Monsieur, voyons, revoyons peut-être votre revendication, monsieur. Slipo au plombo. C'est moi, j'ai appelé les journaux. C'est... Escuchar, tu vois des agents derrière, prêts à faire assaut. Mais, les hermanos derrière moi. Oui, on est prêts. On est prêt, on va rédiger. Los pollos, slipo, plomo, cabrón. Voilà, c'est bon, calma, hermano, calma. Alors? Rendez-vous compte à l'évidence, c'est que s'ils viennent faire un assaut, ils viendront équipés comme jamais, ils viendront avec des blindés. Est-ce que vos habitants sont prêts à mourir? Bien sûr que oui, ils sont équipés plus que vous. Pour voir un caleçon, mais de quoi? Oui, de quoi on est prêt. Slipo, plomo. Arrêtez, c'est bon, Yedi, c'est bon. Est-ce que vous voulez risquer votre quartier pour voir un caleçon? La Santa Madrid, elle nous protège. Maria. Madrina? Non, mais il fait défaut d'orthographe, il a besoin d'un orthophoniste. Attendez, vous vous moquez de son handicap, là? Négatif, j'ai pas dit ça. Raciste et handicapophobe, d'accord. Ah, c'est vous, et monsieur... En plus, homophobe, parce que vous avez peur qu'on voit vos couilles. Oui, et il a dit, c'est des délires bizarres de vouloir voir des hommes à poil. Donc, non, homophobe. Vous aviez des délires bizarres, j'ai pas dit que c'était un délire bizarre. Bah si, du coup, si. Ah si, complètement, cabron. Ah, je l'ai compris différemment, pas comme vous prétendez. Bon, slipo, plomo. D'où est-ce los journalistes? Je sais pas. Je suis impatiente. Monsieur, je comprends bien votre impatience. Ok, mais, les hermanos, il y avait... Ok, choix, les hermanos, les hermanos, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Ok, les hermanos, vous allez le braquer. Il avait compté jusqu'à 10. Si à 10, il a pas terra, il est pas en slipo, vous tirez. D'accord. Uno. Oui, monsieur, attendez, il y a du monde, hein. C'est le problème. Ok, uno. Attends, hey, je suis plus avec toi, nique ta mère. Dos. Il est vraiment en train de jouer à 10. 13. Si... Quatre. Si, le vol. Monsieur, revoyez votre... Cinco. Revoyez, s'il vous plaît, monsieur, je peux me mettre à genoux, mais je me mettrai pas en caleçon, s'il vous plaît. Mais je peux me mettre à genoux, mais pas... Siete. Monsieur, s'il vous plaît. Ocho. Arrête, mais quoi, je t'en supplie, arrête, fais pas ça. Nueve. Je peux me mettre à genoux, mais pas en caleçon, monsieur. À genoux, je veux bien. Pas à genoux. Nueve y demi. C'est un truc qui n'existe même pas, cette langue. Essayez. Nueve trois quarts. Essayez de le. Hermano. Attends, Miguel, tire pas. On va faire un truc, ok? Si tu le tues pas, je te rachète la même côté que l'ancienne. Y'en a pas. Il veut le poil sans slipo. Force à toi. La tête finie. Moi je me taille. Je veux bien un genou, mais sans le pantalon ça va être compliqué, monsieur. À genoux, je veux bien. Ok, sans le t-shirt. À genoux, sans le t-shirt. Ok. Et le chien des pare-balles. Mais en fait, je crois qu'il a juste des petites couilles, c'est pour ça qu'il a pas envie de se montrer. Parce qu'il y a du vraiment. Non, tes mains sont tous en train de nous pointer. Et derrière, il y a du monde derrière. Ou là-bas, là? Ouais. Y'a personne, nada. D'accord. On prend une côté, on se taille par là-bas, ok? Alors? Là, y a... Les gars, force à vous, je vous ai bien aimé. Là, on est mort, on est fini. Bon, là, vous voyez, derrière moi, ou maintenant devant moi, y'a quand même pas mal de monde. D'accord. Là, il semblerait que votre quartier soit encerclé aussi. Ouais. Là, le problème étant que... Il va vraiment falloir qu'on change d'approche. Le t-shirt, le gilet et à genoux. Pareil, tu trouves pas qu'on est un peu ridicule? J'ai des hommes prêts en découdre, monsieur. Bah nous aussi on est prêts en découdre, tu vois pas là? Oui, on est au moins 200 000. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? On t'a bien eu, hein? Oh, pourquoi ils sortent à rien tout? Les Hermanos, on a vraiment besoin d'aide au barrio. C'est pour ça. Por favor, on a vraiment besoin d'aide. Du coup, revoyez clairement votre négociation et arrêtez de tirer sur n'importe qui. Sinon, malheureusement, ça va être très compliqué. Les Hermanos, y a quelqu'un, por favor. Il semblerait que la position de force est changée là. Ah, non. Eh, recule! Oh, il le tue! Dis-lui de reculer!
Avance, il va me tirer dessus, avance, il tire dessus. Escucha, on aurait pu finir depuis longtemps, mais tu veux pas. Tu veux garder tes habits. Pourquoi? C'est pas une question de garder ses habits, c'est une question de ne pas s'humilier devant des journalistes uniquement parce que. Mais ils sont pas là, les journalistes, ils sont pas venus. Si, monsieur. Est-ce que vous tirez sur... dis-moi, ils sont. Escucha. Vous avez tiré sur des gens innocents. Escucha. Ils sont pas là, les journalistes. Escucha, mec, cabron de merda. Vivre à poil or mourir habillado. Réfléchis bien. Je promets, je vais tirer, je te jure, là. Ça commence non, à bien faire non, tu vas pas tirer, arrête. Toi tu peux crever, pas moi, moi j'ai encore des trucs à faire ici. Alors monsieur. Ouais, je prends le temps de réfléchir monsieur, vous me voyez un petit peu dos au mur là. Pourquoi ils sont là-bas? Le toit gauche. Oh merde. Oh putain. Dealer, descend. Il s'est caché. Non. Il va allez, tirer allez. Il va tirer. Non, on peut même pas descendre. Descends. On est mort. Descends Miguel, viens. On est mort. On prend quoi, prend quoi? Qu'est-ce qu'on prend? Non mais... Par, moi je vais me cacher, par. Vas-y. Ils ont pas l'air de rentrer. Je crois juste qu'ils ont voulu le récupérer, putain j'ai la haine. Ah si. Les hermanos, por favor, il faut la descendre à El Barrio, por favor. Attends, ils sont partis? Je me suis caché dans le buisson, moi, perso. Attends, je crois qu'ils sont partis. Je crois qu'ils ont pas voulu faire la descente au Barrio. Ils ont eu chaud de faire la descente au Barrio. Soit ils ont eu chaud, soit ils se sont dit bon ils sont deux. On va revenir que 10 en plus. Je pense ils sont dit. Je crois qu'ils sont partis. On les a niqués. On a gagné, tu imagines ou pas, on a gagné. On les a niqués, cabron. Mais attends, mais y'a vraiment que nous deux là à la radio, por favor. Oui, y'a que nous deux. Escúchame bien. Tu m'écoutes bien? Muy bien. Tu vas venir avec moi, on va aller au restaurant. Allez, venga. Non. Répétard. Je peux répéter si vous voulez, non. Vous voyez le petit bébé dans les bras? Regardez comment il est mignon. Regardez sa petite bouille. Et il vient aussi. Allez, venga. Non, je peux pas. Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'on mange au restaurant? On se connaît même pas. Va te faire un coulet toi aussi, cabron de merde. Et pourquoi il danse lui? J'aurais pu le faire. C'est une conversation privée. Taillaté, cabron, où il y avait pété un câble. Les bandeurs. Tu sais que j'ai 47 ans, j'ai parce pas, que ma meuf, attends, ma meuf, t'es là, d'ailleurs si on va en parler, attendez, on va parler d'un truc. On va parler d'un truc, t'as mis quoi dans son verre hier soir? Je te dis, je te le répète hier. On va de l'eau s'il te plaît. Déjà, le casino c'est une soirée, por favor. C'est alcoolisé mon grand. Gracias mi amor. Je lui ai donné 4 bières parce qu'il était assoiffé, bref. Et c'est une adulte, elle est capable de se gérer. Elle a bu 4 bières, oui. Si elle a été droguée par quelqu'un, ce n'est pas moi. Je suis pas un enfant. Ce n'est pas moi. Attends, c'est Ciara? Je m'en fous. Ciara? Ouais, c'est elle. Ouais. Oh, mi amor! Quoi? Tu es venu pour. C'est moi, c'est Miguel. Dire te venger, j'en sais pour rien. Quoi, t'es quoi? Ta copine. Bah, t'es quoi? Je lui ai dit. Oui, le bagos. Je voulais plus la voir. Voilà, c'est terminé. Et puis, t'es quoi? Voilà, la mettre au courant. Remets-moi. Et si tu veux, je suis un menteur, je lui ai dit pour la faire. Ça va, Ciara, mi amor? C'est bon, c'est bon. Allez, c'est réglé. C'est bon, c'est réglé. T'es vraiment à son couille, toi. Escucha, mais. Tu te réapproches de Ciara, tu es muerto. Non, mais fais pas, y'a pas d'histoire de... Muerto. Tu sais que je suis moi? Oui. Tu sais que je suis? Je suis Miguel Raconte, oui, cabron de merde, t'as bien compris? Et tu es Miguel Raconte, qui es-tu? Regarde las espidados. Tu vas voir qui je suis, cabron. Ah oui, tu étais recherché. Ouais. Tu me le dis maintenant dans mon entreprise. Ouais, je te le dis maintenant dans ton entreprise, tu vas rien faire, cabron. T'as compris? Non, je vais rien faire. Tu te rapproches de Ciara. Mi amor, tu es mort. Non, bah rentre pas, y'a la coachée. Oh, ils sont là, ils sont là. Tu me donnes. Ah, vous avez appelé Los Pollos, hein? D'accord. Vous êtes mort. Oui, bon, allez. Allez, vous êtes mort, vous allez voir. On va brûler. Allez, va là-bas. Va te voir, le chopper, enfoiré. Arrête, y'a Miguel à raconter, il me prend en otage. Venez, c'est Miguel à raconter, venez. Descendard.
Descendard, cabron de merde. Descendard. Monsieur, sur d'un côté. Vous... Descendard. Allez, trace maintenant ta gueule. Au moins ta prime elle augmente. 88 en retard, on aurait besoin d'une VIR pour la course poursuite avec un témoin. Oh, cabron. Oh putain. Ok, c'est la merde. Ok, attends, tu m'as pris en otage. Non. Écoute ça. Ok, c'est la merde. A l'aide, radio. C'est fini. Attends. Y'a quoi? Miguel? On est mort! Derrière le Belize! Vous êtes dead? Je suis un monstre. Miguel? Non, c'est bon, Yasin Yamakashi! Miguel? Non, sérieux, je suis trop fort. Por favor? Non! Oui, oh oui! Allez, fermez! Viens, se cache dans le Belize, dans le Belize. Vas-y, va dans le Belize. Oh merde, ils m'ont vu. Vas-y, ils sont sur moi, t'inquiète. Ah non, ils sont restés sur toi. Je vais y arriver. Vu comme je suis pas une salope, la tête de ma mère, je te sauve, t'es où? T'es où? Appelle Mason, je suis dans l'angle du Belize mais je suis mort. Il est sur une poutre. Non, t'as juste à refaire ton parcours. Non, il peut pas. Je te promets, c'est fini pour moi. Je vais sauter et je vais mourir. Oh, il veut pas y arriver. Saute sur ma coachée, dessus. Je vais vous arrêter. Mourir, je suis sapeur-pompier, il va crever là. Monsieur, attention. Monsieur, attention. Aïe! Je suis con, vite. Je me rends. 10-5, il est devant le. Je me rends. Aïe! Vous vous rendez, monsieur? Cabron! Bon, monsieur? Oui, il me rend! On va vous meuter? Il va rien rendre du tout! Il se rend pas! Il se rend pas! C'est mon otage maintenant! Vous savez quoi? Ça va être mon otage! Bougez ou je le tue! Je vais le flinguer! Je m'en bats les couilles! Rien à foutre! Je vais le flinguer! Dégage! Recule! Je vais le flinguer! Loli m'a prise! Monte dans ma côté ou je te tue! C'est Loli qui a pris! Je te tue maintenant! Aïe! Monte ou je te tue! D'accord! Pardon! Monte! Monsieur, vous allez juste tuer quelqu'un qui est recherché! Vous allez juste tuer un criminel! Rien à foutre, je te tue moi! Et pourquoi tu fais ça, cabron? Pour te sauver, t'es complètement con ou quoi? T'es recherché? Vraiment, vous êtes mort, en 2 VR, vous êtes mort. C'était pas l'otage il y a 2 secondes, lui? Tu essaies de faire un truc, mais pas beaucoup. Tu vas maintenant, essaie de te garer derrière le bâtiment. Il y a un bâtiment derrière et moi je vous attends sur l'autoroute en bas. Vous savez juste à escalader un muret et je serai dans l'autoroute en bas. Et je connais pas, moi je connais vraiment pas. Oui, ok, je crois que. Attends, je crois que je vois, mais je suis pas sûr. Mais essaie de gérer parce que je viens d'envoyer la poste à Morino. Le petit chemin à droite là, tu le vois? Non, c'est pas là. Venga, cabron. Ah, c'est l'échelle? On a monté une échelle, c'est ça? En bas. Non, jamais t'avais, tu dois monter une échelle. Ok, merde, on a monté. Je suis sur l'autoroute d'en bas. Herman, on est sur le toit. Oh mon dieu. Non! On a retrouvé monsieur raconté inconscient au sol. Écrasé comme une crêpe au sol. Ah, viens. Direction via la Dolph. Non, c'est la VIA, non. Il y a toujours un monde où je m'en sors. 10-4, mais capitaine, je fais quoi si il a arrêté de respirer? Tu fais un massage cardiaque? J'ai pas ma formation premier secours. Mais... Oh. Vas-y, va vite chercher un médecin. Allez. Mais pourquoi tu me dis qu'il respirait plus? Il respire encore. Un médecin, s'il vous plaît. Mais il respire, il a les jambes cassées. Je suis pas mort. Mais il est con, il voulait que je le tue en lui faisant un massage cardiaque en plus. Oh. Mais je sentais plus sa respiration. Ah ouais, bah là. Ça doit être les gants, ça, je pense. Los pollos, en me déplaçant, ils m'ont cassé la jambe. Ok, et vous êtes tombé de haut ou pas? Oui. Ok. J'arrive. On est au moins dans l'obligation de prendre son arme, de lui saisir pour au moins vous mettre vous en sécurité. Sûr. Et nous... Ouais, bien sûr, okay, bien sûr. Vas-y, Katari, tiens, récup. Bon, monsieur, je sais pas si vous m'entendez, mais je vais devoir saisir votre arme. Tenard. Ouais. Juste l'arme, hein. tu prends juste l'arme et d'autres trucs dangereux s'il y en a. Tenard, mi-arma. Je vais t'enculer. Il a les jambes cassées, cabron. Je vais te tuer ta mère, la pute. Il a les jambes cassées, cabron. Mais t'es complètement con.
con quoi, bien sûr que je sais que t'as les jambes cassées, mais je vais trouver un truc. Il est pas fait exprès. Pourquoi tu rigoles? Je me remémore ta chute. C'est pas drôle. Et moi, cabron, nous le dit rigoler. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas. Ah, c'est là, ok. Ok, du alors coup... attendez, je vais prendre le scalpel. Ah, bah ça va, bonne nouvelle, il a rien cassé. Pourquoi le scalpel? Pourquoi? Attends, mais je sais pas MS, je sais pas quoi faire. Ok. Alors, je regarde la cardiovasculaire, attendez. Oh non, salle de repos, pourquoi tu veux m'opérer? Ça passera jamais, ça passera jamais. Et tu. De toute façon, t'as pas le choix. Aïe. Allez, viens. Ça va jamais passer. On va aller faire une radio, j'ai besoin d'un agent, c'est possible. Ah, on va même vous accompagner vu l'individu. Non mais accompagnez-moi. Vous avez prévenu votre collègue Ouais, c'est déjà fait. Parce qu'il paraît il a sauté d'un toit ou je sais pas quoi. Ah, il est tombé. Il m'a dit Il a les jambes cassées. Il a les jambes cassées. Bon. Radio hein, il faut faire hein. Et mais c'est apparemment c'est un votre collègue. Je suis directeur. OK, bah donc, je vous pouvez le lâcher s'il vous plaît. Ah, bah oui, tiens, prends-le si tu veux. Attends. Alors vous avez mal aux jambes, hein, c'est ça? Il fait une chute. D'accord, de à peu près de combien d'étages? Oh, je dirais au moins 8. 8 étages, vraiment? Il pense 3 étages. 3. Ouais, jusqu'à 8 étages. Ouais, 3. Il y a abusado. Allez hop, je coupe tout ça. Tac. Hop là. Allez, je commence. Ok, vous pouvez vous rhabiller, je vais chercher les résultats, j'arrive. Mais y'a papa! Y'a papa me rhabiller! Aidez-moi! A l'aide! On a pas parlé des noix. A l'aide! Il m'a dit rhabille-toi, mais y'a papa! A l'aide! Bah attendez le MS, il vous aidera à vous rhabiller, monsieur. A l'aide! A l'aide! Il m'a dit y'a papa me rhabiller, cabron! Oui. Du coup, vous avez la jambe gauche fracturée. Aïe. Je vais devoir vous mettre un plâtre et vous allez rester en chaise roulante jusqu'à demain à peu près. D'accord. Et demain, il faudra repasser. Et si vous préférez, je vous passerai des béquilles. Parce que je sais que c'est un peu handicapant la chaise roulante. D'accord. Allez, je vous rhabille. Ah bah non, c'est vrai, je les ai coupés. Ok. Donc il reste en caleçon. Ouais, c'est mieux. Allez hop. Il y a des fauteuils. Ouais, vous inquiétez pas, il y en a un autre en bas. Ils me suivent comme des clébards avec les chiens, les flics. Ok, nickel. Allez hop, je vous pose ici. Hop là. Ok, nickel. Comment tu t'appelles, hermano? Clyde. Clyde comment, hermano? Clyde Diven. Oh, c'est mignon. Ah, merci. Tu es le chef de l'hôpital, est-ce? C'est ça. Tu as des enfants? Alors, non, pas encore. Tu as une femme? Pas encore. T'aimerais bien en avoir un jour? Ouais, bah ouais, carrément. J'ai pas envie de rester seul toute ma vie. Eh ben, écoute jamais. Soit tu me fais sortir, soit tu es mort. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je peux pas vous laisser sortir. Ah, je peux pas. Tu préfères mourir. Ah, le truc, c'est que si je fais ça, je perds mon métier. Vous voyez, j'ai pas envie de me retrouver à la rue. Nickel, la pommade s'est mise. Du coup, je vais vous mettre un bandage. Vous me dites si c'est pas trop serré. Aïe, c'est serré! Arrête! Ok. Alors attends, je vais desserrer, désolé. Ok. Aïe. Ok, le bandage s'est mis, du coup je vais commencer à mettre le plâtre. Alors, hop. D'accord. Okay. Et hermano? Oui. Los pollos, en me déplaçant, ils m'ont fait mal. Et où ça? Vous avez mal où? Au dos, à la colonne vertébrale. Ah, après, sur la radio, j'ai rien vu, monsieur. Oui, genre, mais... Ah ouais, mais il est mal. Vous avez mal? Bah, le problème, c'est que, ouais, vous savez quoi? Je vais vous passer des médicaments. Mm-hmm. Parce que vraiment, à la radio, j'ai rien vu de grave. C'est normal, tu m'as fait la radio des jambes, pas dos, cabron. Non, mais ceci, on voit tout sur la radio, vous inquiétez pas. Même mon zizi? Ma quéquette? Non. T'as pas non, vu non, ma quéquette? Quand même, heureusement. Alors, tu le vois pas tout? Si, mais vous... Tu quand vois même. Tout, sauf la quéquette. Bah, par exemple, si... Il y a une fois un patient qui est venu parce qu'il a son zizi s'est brisé. Mm-hmm. Et là j'ai vu, mais comme c'est pas autant poussé que je vais pas vous montrer votre zizi. Ok, mais là pourquoi tu me touches le cul? Ah non, là je vous mets le plâtre à la jambe. Oui, à mon cul un peu, parce que là t'as vraiment les mains dans ma quéquette et dans mon cul. Voilà, merci. Je me suis un peu emballé, désolé. C'est pas grave. Ok, nickel, c'est bon. Alors le plâtre c'est bon, c'est mis. Los pollos! Benga. Benga ça veut dire venez? Oui. Ok, moi, du coup je vais. Pourquoi? Du coup c'est pourquoi bon, c'est fait. Pourquoi? Ils ont dit qu'ils allaient venir pour me tabasser, monsieur le médecin, heureusement que vous êtes arrivé. Ah bon? Oui. Quoi? Ils ont dit on arrive, te casser la gueule, monsieur le médecin. J'ai rien entendu moi, monsieur. Hermano, me laissez pas avec eux. Viens, on sort.
Por favor. Écoutez, monsieur le médecin, vu qu'il nous dit benga benga, on lui a demandé si ça voulait dire venez. Il a dit oui, on est venu. Il veut faire les bavures. Bah, on part, ok. Il veut faire les bavures. Monsieur, sauvez-moi. Le problème, c'est que j'ai rien entendu. Ils ont dit, c'est normal, ils ont parlé doucement, ils ont passé la porte, ils ont dit, allez, viens, on va lui casser la gueule. Et bah, du coup, qu'est-ce que vous voulez que... Protégez-moi. Ah, bah, je peux vous mettre, allez, en salle de repos pendant 5-10 minutes. Mais le truc, c'est que, ouais, après, vous allez partir, quoi. Me laissez pas avec eux, me laissez pas avec eux. Je suis obligé, monsieur, vraiment. Ah, hermano. Merde. Ok, nickel. Vas-y, 88. Non, ne me touchez pas. Arrêtez! Ils vont me faire leurs bavures! Arrêtez! Il est là-bas, il est là-bas. Ah, non! Okay. Por favor! A l'aide! Attendez, j'arrive pas. Okay. Je vous ouvre la porte. Y'a mes vannes! Vous m'attraperez bon, jamais! Vous allez aller comme ça. Attrape-le par le. Attrape-le et relève-le. Et... A l'aide d'art! Fais doucement, fais doucement. A l'aide d'art! Monsieur. Y'a fait m'évader! Bon, monsieur. Venez ici. Allez, bon, avec lui s'il faut, vas-y. Chargez-le. Ah, cabron. Je vous mets à l'arrière, monsieur. Allez-y, rentrez tranquillement. Ok, lance-wagon, suivez-vous par la radio. S'il ouais, m'amène au commissariat, vous tuez l'otages. Ok, vas-y, on le tue. Ah, mais on te voit. T'es là. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas d'otages, c'est bon. Ça me casse les couilles. Je veux pas aller en prison. Vous avez trébuché sur le bord du toit, monsieur. Il est même pas en prison. Par contre, on a perdu son siège. Hein. On en a un truc, je vais en chercher, vas-y. Allez en chercher une. Allez l'aider à en chercher une. Il y avait pas bougé. Vous allez aller où en rampant, de toute façon, monsieur, racontez. Au revoir. Non, mais monsieur, il n'y aurait pas en prison. C'est un délire grotesque. Il n'y aurait pas en prison. Vous pouvez au moins remplir la voiture. Moi que. C'est bon, tu l'as. Il s'échappe. Allez, monsieur, arrêtez. Allez, monsieur. Non, pas la prison. Non. Allez. Non. Allez, rattrape-le comme tu l'as pris tout à l'heure là. Aïe, non. Le commissariat. Allez, capitaine. Allez. Ouais. Monsieur, racontez pourquoi vous êtes recherché? Pour plein de choses que j'ai pas faites. L'innocence, c'est ça? Oui. Comme le braquage de banque, vous avez dit que c'était pas vous alors que c'était vous. C'est plus compliqué que ça, il y a un frère jumeau. Il s'est fait passer pour moi. Il s'appelle aussi, il voulait raconter. Il s'est fait passer pour moi, je suis innocent, il était pris en otage dans une cave au barrio pendant 3 mois et cet homme, il s'est fait passer pour moi. Vous comprenez? Attends, mais mets-le au moins sur sa chaise roulante, non? Oui, c'est pour favor, il est mal. Ouais, ramenez-le sur sa chaise roulante. Monsieur Miguel, racontez. Nous sommes le 24 avril 2021. Il est actuellement 1h21. Vous êtes en état d'arrestation pour le mandat d'arrêt à votre encontre. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera et pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Il est bugué le fauteuil, j'ai la haine. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat commis d'office vous sera fourni. Vous avez le droit à de la nourriture et à de la boisson. Vous avez aussi le droit à une assistance médicale. Avez-vous compris vos droits, monsieur Raconté? Non, il n'est pas écouté, pardon. Répétard. Monsieur Miguel Raconté, il est actuellement 1h22. Vous êtes en état d'arrêt. Hasta la vista! Las vagos, aidez-moi! Aidez-moi! Por favor! Non. C'est lui du coup, c'est fou. Ah, camarade! Fais-lui, arrêtez-le, fais-lui! Il va super vite sur sa chaise roulante. Attends, deux secondes. Allez, on va aller en même temps. Tu peux leur dire qu'ils fassent. Genre, c'est quoi? Vas-y, on y va, c'est un animal ou. C'était trappé, tant pis. Calvici, por favor! Allez, relui ses droits là. Relui, ouais. Approchard, il veut vous dire quelque chose. Dites-nous. Approchard. Benga, benga. Non, monsieur, on va pas rentrer dans votre cellule. Benga, il y a les jambes cassées, tu crois quoi? Tu crois qu'il avait te frapper? Ah, bah allons-y. C'est vrai, jamais trop prudent avec un individu assez dangereux. Il veut pas parler fort. Approche. Allez-y. Attention, hein, moindre geste brusque et mes agents ils interviennent. Non, hein. non. Okay, allez-y, je vous écoute. Approche à l'oreille. Oui. Non, approche à l'oreille. Oh, imagine, il lui met une nuque. Voilà, approche. Tu puta madre pollos de merda, yo t'en cool, cabron. Allez, dégage de ma cellule. Trop de puto. Dégage. Dégage, cabron. Ya cool los pollos. Ya cool los pollos de mierda.
Los pollos está cabrón. Et moi, je suis pas cabrón. En prélule, en cellule. Los pollos está putos. Miguel está locos. On a combien d'outrages à jour là qu'on peut lui rajouter du coup? Yeah, y'a que los pollos. Là, ça fait 5, on est los pollos de mierda. Monsieur, est-ce que vous avez soif ou faim? Oui, y'a soif et y'a faim. Nickel, vas-y, donne-lui. Ensuite, du coup, pour le c'est déjà réglé. Mais pas... Monsieur, tant que nous on vous donne ce que vous avez le droit, que vous mangez ou pas, ça n'est pas notre problème, monsieur. Je peux rentrer dans la cellule pour lui donner. Non, tu peux lui tendre là. Non, il prend pas. Je vous tends tout ça. Non. Bon, monsieur, s'il vous plaît. Non, voilà, c'est pas ça plus difficile. Si, venez. Vous savez, les pollos, hier, j'ai perdu ma coach. D'être en prison, je m'en fous. J'avais déjà tout perdu. C'est quoi votre coach, monsieur? La coach carré avec les bagages. Ah, Lego. Ah, oui. La caisse à savon. Le ref et l'Orio, il a brûlé. Ah, je note, quoi? Le ref et l'Orio, ok. Continuez, oui, comme ça, c'est bien. J'aime bien. Mais vous le saviez très bien, il a brûlé la coach depuis. Jusqu'à présent, c'était pas l'Orio le refait. Ouais, ouais, l'Orio le refait. Bravo, merci, monsieur Raconté. De nada, de nada. Oh, il a brûlé votre voiture. Il a brûlé parce qu'il faisait trop de bêtises avec. Après tout, ça doit être ce que je mérite, d'être en prison. Approchard. Allez, on va se rapprocher. Évitez de m'insulter cette fois. Non, promis, il va pas insulter. Approchard. D'oreille. Si. Venga, tu écoutes bien, cabron? Allez, dégage, cabron, tu croyais c'est une boucave? Ah, j'en étais sûr qu'il allait rien dire. Hein? C'est une boucave, moi, cabron! Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous me sucez la bite ou on restera à se regarder dans les yeux, cabron? Franchement, 32. Vous avez d'autres choses à dire ou pas du coup? Vous voulez que je vous dise où est le labo de cocaïne? Allez, on retente pour une troisième fois? Non, c'est Benga, 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 je vous dis. Benga. Il est à Mirror Park. Il est à Mirror Park? Pas loin. Pas loin de Mirror Park? Ah, vous voulez les informations? Bah, non, on veut pas des informations. Je veux. Vous nous informez. Je veux la libération et je vous dis tout. Vous pensez pas que vous tirez un petit peu là quand même? Je vous dirai tout. Sur la sonnette. Escucha, escuchame. L'Orio. Quand il tire pas sur les civils. Le jefe, ce cabron de merde, il a brûlé ma voiture. Ouais. Je vais tout vous dire. Y'en a rien à foutre. Ouais, voilà, pour votre coacher. Je veux la libération. Je veux une papier avec marqué si tu poucaves, tu libères. Appelez l'avocat. Ça fait beaucoup de numéros quand même, tu vois. Ah, c'est bon. Oh là là. Bon, je récupère votre téléphone, monsieur. Venez. On vous appellera un avocat commis d'office, hein. Mon avocat, il va venir. Il a vraiment fait ça, oui. Ah, on a un petit malin dans nos cellules. Je sais tout. Tout ce qui se passe en ville. Je le sais. Je peux même vous dire que cette personne, elle est venue au barrio et elle voulait s'en prendre à quelqu'un. Elle a engagé Los Vagos pour tuer quelqu'un. Vous notez Los Vagos, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est moi, c'est Los Vagos. Oui. Elle est venue au barrio. Elle a dit, cette personne, je voudrais que vous me rattrapez et que vous la tuez. Eh, oui, il y a une preuve. Oh, il y a une preuve. Oh, que oui, il y a une preuve. Oh, cabron. Ok, il y avait la lettre. Votre nom complet, s'il vous plaît. Miguel Raconte. Donnez déjà un nom. Non. Non, parce qu'il a dit que c'est qu'on avait. Enfin, il va nous avancer les choses. Tout. Mais c'est à nous d'enquêter ensuite. Non. Todos, moi je vous donne. Ah. Moi je vous donne le nom et je vous donne une preuve que ce que je vous dis, c'est la vérité. Après, pour ce qui va se passer derrière, c'est vous qui enquêterez. Et bien évidemment, pour respecter ma paisible vie, que je ne veux pas me faire tuer pour être une poucave, je veux que ça ne se sache sous aucun prétexte que j'ai balancé. Ok. Les yens que je vais vous dénoncer sont très puissants. Ils vont me tuer. Moi, je propose que, au vu de tout ce que vous avez fait, on ne pourra pas vous blanchir dans l'intégralité. Par contre, on peut faire en sorte d'effacer certaines choses. C'est vous qui décidez ou c'est le procureur? Non, ce que je propose à vous comme procureur. Mon avis, j'écoute. Voilà. Ouais, on fait semblant de l'écouter. On peut vous retirer tout ce qui est limite prise d'otage. D'accord. Sur magistrat, prise d'otage sur agent de police. À la rigueur, je pense pas que le procureur soit d'accord, mais on pourrait oublier les meurtres sur les civils. D'accord. Intéressant. Par contre, on pourrait vous laisser du coup un casier chargé avec des braquages de banque. D'accord. Au moins, histoire qu'il y ait du 50-50. D'accord. Alors, monsieur le procureur, vous en pensez quoi de cette hypothèse? Moi, je vous enlève les charges les plus lourdes. Non, mais si c'est juste pour laisser sur le casier, pas de problème. Le casier est allégé, c'est-à-dire qu'aucune de ces charges ne peut le mener en prison ce jour. Donc là, il vous donne les informations et je sors. C'est ça, ouais. Mac Cormac. Un truc comme ça.
McCormack ou McCormick. Des choses claires et sûres, un truc comme ça. Le banquiado. Eh oui. Le banquier, le patron. Oui, le patron de la banque. Ouais. McCormack. Il blanchit l'argent. Avec qui? Par quel procédé? Par comment il fait? Je ne sais pas, mais il blanchit los vagos. Il blanchit los balas. Los familias. C'est-à-dire que ces cartels, ces gangs déposent des sous chez lui et lui, il les fait. Pas que des sous, c'est-à-dire... Non, pas que les gangs. Je vais vous dire mieux pourquoi on a braqué la banque. C'est cabron de merde, il a une assurance. Ça veut dire que si on braque, lui. Lui, il récupère l'argent. Argent illimité. Okay. D'accord. Nous, on a l'argent. Lui, il a l'argent. Eh ouais. Ok. De ce point de vue-là, c'est plus. Ok. C'est pour ça qu'on a braqué deux fois la Pacifique. Écoute, jamais. Vice de procédure. Je connais les ripoux dans la police. Là, les cabrons de merde. C'est pas de la police, moi. Non, je parle des cabrons de merde derrière la vitre qui écoutent. Ouais, doucement. Relevez les matricules. Et retenez bien. Si la formation fuite, ça viendra d'eux. Cabron de merde à tout putain madre, fais-moi sortir d'ici tout de suite. Cut. On va te faire enculer, cabron. Allez, faites-moi sortir. Sortez-le. Merci monsieur Raconte pour votre coopération. Rien, cabron. Il balance pas les gangsters. Il y avait un Uber. On va vous déposer. Les hermano, je suis libre. Non, dépose-moi, toi, procureur de merde. Les hermano, il y a quelqu'un? Non, il faut que tu me pousses. Pousse-moi, par favor. Ouais. Je suis libre, c'est cabron. C'est bien, ramène-toi. Vice de procédure, je suis blanc comme neige. Pas de charge. C'est impossible que t'apprennes une vice de procédure. Pourquoi, hermano? Le jour, ils ont fait la même chose dans la maison. Ah, mais non. Maintenant, toi aussi, t'en prends. Il y a un nouveau procureur. Il m'avait laissé mon arme dans la cellule. Le procureur, il est très... sévère, il a dit ah tu veux laisser la arme, eh bien ce cabron il est libre comme l'air. Ok c'est moi. Ok vas-y ramène ton bar, vite fait. Oui c'est le procureur qui va me ramener. Oh vas-y, non, bah, attends, je vais pisser dans Miguel, tu t'es fait choper. Non c'est bon je suis libre. Hasta la vista baby. Ouais cool. Y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé en prison avant-hier. Pourquoi vous êtes parti en prison? Tu sais que ça m'étonne même pas que t'es parti en prison. Toutes les conneries que tu fais, t'en rejoins que tu vas en prison. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en gros, je sais plus pourquoi, mais... Attends, mais t'étais recherché, pourquoi t'es là? Ben, je suis encore recherché, mais attends, je vais t'expliquer, Ado. En gros, j'ai fait la course poursuite avec... Ah oui, je te raconte tout depuis le début, d'accord? Vas-y. Ah oui, attends. Viens faire un tour en voiture en même temps que tu me racontes. Non, parce que... Non, Lorio, arrête. Regarde, j'étais avec Calvici, d'accord? C'est qui Calvici? Calvici, y'en a qu'une de Calvici au barrio, hermano. Ah, Moreno. Oui, Moreno. Et bref, il y avait los pollos, ils faisaient que tourner au barrio. Moi, je me suis énervé, j'ai dit, oh, comment ça, ils tournent au barrio? Donc, du coup, il y a un peu tiré. T'as tiré où? Dehors? Oui, dehors, sur los pollos. Là, du barrio, t'as tiré dehors? Ouais, sur le toit. Il était sur le toit, il a tiré. Bref. Et regarde, c'est quoi? Là, tu pensais que j'allais t'engueuler ou pas? Non, je sais, tu vas m'engueuler. Tu as raison. Non, gracias, ok, gracias. Bref, il faut tirer sur les après, gens, pas, voilà. Ouais. Et bref, voilà. Après, los pollos, ils sont venus devant le barrio. Ils ont dit, pourquoi tu tires? Il a dit, bah, parce que tu passes pas au barrio, cabron de merde. Il m'a dit, non, mais il passe pas au barrio, il passe dans la rue d'en face, vers le tacos. Il a dit, alors, on va augmenter les terres. Maintenant. Non, ça par contre, non. Ça, tu vois, ça, non. Là, t'es un peu abusé, tu vois. D'accord, je ne le ferai plus. Bref. Y'a los comandetos de la pollos, il est venu. Je te coupe. Okay. Aujourd'hui, je te promets que je suis de bonne humeur. Genre vraiment, j'ai vraiment passé une bonne journée. Je suis trop bien dans ma peau. Moi aussi, j'espère moi aussi, Laurie. L'histoire, elle va pas me détruire le moral. Non, elle s'il finit te bien. Plaît, Miguel. Ok, vas-y. Ou peut-être le pas, ça dépend. Oh, bref, il te spoil pas. Et bref, le comandito de los pollos, il est venu pour le negociado que j'arrête de tirer. Donc il s'est mis juste en bas, et moi il est sur le toit. Il a dit, les hermanos du barrio, bah, en vrai, il n'y avait que Calvici et moi, on était dos. Et il y avait au moins 15 voitures de pollos, je pense qu'ils pensaient qu'on était plus que ça. Mais bref, il a dit, braque tous los pollos. Donc du coup, il était braquado, il était pris au piège. Comment je fume ma clope vite là, c'est que ça commence à me tendre un peu. Ouais, ouais. Vas-y, bref, il a dit, soit tu te mets en calbar. Soit, y'a tout, comme on dit, de los pollos.
Lorio, il y a Kaiden qui est en train de dire que tu attendar, de la coque sur attendar, le cul des bagos. Attendar, por favor, attendar. Bref, je lui ai dit, slipo o plomo. Tu vois? O comanditos. Et bref, du coup, négociation, négociations, les journalistes, ils sont venus. Et bref, los pollos, il n'a pas voulu se mettre à poil. Il est monté dans la cochée, trop vite, ils ont fait distraction. Et bref, il est parti. Esta une course poursuite après. Tu vois? Okay. Et mon course poursuite était avec Calvici. Je suis monté sur un immeuble. Et après, je suis tombé. Et puis après, il a repris la course poursuite. Et je suis remonté sur un immeuble. Et là, je suis encore tombé. Mais la jambe a cassado. Tu comprends? Okay. Donc je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital et c'est mon opération. Et après. Et après, ils m'ont ramené à Los Pollos de Commissariano. Et là, ils m'ont posé les questions, Lorio. Ils m'ont dit... Qu'est-ce que t'as posé comme question? Ils m'ont dit, escucha, on sait qui est le chef de Vagos. J'ai dit oui, c'est Vertigo. Ils m'ont dit non, 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 c'est Lorio. J'ai dit, ah, ils savent que c'est moi. Et je sais pas. Moi, j'ai rien dit, tu me connais, hein. Je suis... Ok, bon, après ça, bah les couilles. Oui, voilà, bah les couilles, comme tu dis. Et bref, après ils m'ont dit, ils m'ont posé les questions. Ils m'ont dit alors, qui fait quoi en ville? Moi j'ai dit non, non, je balance pas. Ils m'ont dit ah, tu balances pas. J'ai dit bon d'accord, je vais balancer. J'ai dit approche ton oreille, approche. Après il m'a dit, il s'est rapproché de mon oreille. Il m'a dit je t'écoute. J'ai dit tu puta madre, cabron de merde, bitch, bendejo. Tu crois que je suis une poucave moi, cabron? Voilà. Il était dégoûtado. Et après. Et après, vice de procédure, et je suis sorti. Tu lui as parlé aussi de la prise d'otage que t'as fait? C'est quoi la vice de procédure? Ah, il a pas voulu me dire. Je sais voilà. Pas, c'est sûrement. T'as pas un avocat? Non, il y avait pas. Et ils peuvent. Attends, ils peuvent pas sortir un vice de procédure eux-mêmes. Ça serait les mettre dans la merde eux-mêmes, c'est bête. Papa. Ouais. C'est quoi, vrai. C'était quoi le. Ouais, mais pourquoi ils t'ont dit que t'es droit? Ouais. Ils t'ont enlevé ton arme? Ouais. C'était quoi le vice de procédure? Je sais pas. Tu rigoles? Je laisse une piste. Je sais pas. Non, 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 vraiment, il rigole pas, je sais pas. Je laisse une piste sur la pocaverie. Bon, c'est quoi le vice de procédure? Ah, c'était quoi? Bah, en gros, Miguel, il était en fauteuil roulant. Et en gros, leurs cellules, elles sont pas aménagées pour les handicapés. Et du coup, ils ont dit non, les handicapés, ça dégage. Hein. Et ils lui ont mis un coup de pied au cul. Non, non, ils m'ont mis dans la grande cellule. Non, ils m'ont mis dans la grande. Mais alors, pourquoi t'es sorti? Je sais pas. Y'a aucun motif. Ils m'ont dit vice de procédure. Ils t'ont reparlé aussi de la fois où t'as fait la prise d'otage là. Quelle prise d'otage? Quelle prise d'otage? Je te laisse lui Ah, écoute, c'est mon chéfé, ok, je suis obligé de lui expliquer. Oui, bien sûr. Il a fait une prise d'otage. On était que deux. Il y avait au moins 20 poyos. Ah oui, il a dit, avec le slip au plomo. Vas-y. Il était présent, la camionnette de Los Vagos. Quoi? Esta la camionnette de Los Vagos! Aïe! Merde! Tu peux acheter un véhicule? Oui, je l'ai acheté au Mosley, d'occasion! Est-ce que. Regarde, je vais te donner ma bénédiction pour cette voiture. Quoi? Oui. Est-ce que. Tu comptes faire les mêmes erreurs qu'avec la coche de la oui. BTL? Quoi? Oui. Vas-y, on arrive, tu peux dire, Rada. Je te repose la question, Miguel. D'accord. Je t'ai brûlé ta coachée. Oui. Parce que tu avais fait des conneries. Oui. Est-ce que tu comptes réitérer ces conneries oui. à l'avenir avec ce camion? Oui. Non, c'est pas une camion, c'est une camionnette. Très bien. Je rebrûlerai ce camion. Non. Et pourquoi? Parce que tu peux pas. Comment? Regarde. Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Viens voir. Quoi? Descendre. Benga, benga. Regarde, il est déjà en feu. Miguel. Aïe! Arrête de me faire rire. Aïe! Arrête de me faire rire. T'as mis des flammes pour pas que je le brûle? Oui. Mais tu crois que ça va m'arrêter ça? T'es con, t'es vraiment con. Mais non, t'as un QI mais négatif, si, mais non, mais si il brûle tout le temps, ça veut dire qu'il peut pas brûler, il est habitué. Eh ben je la noierai. Hein? On combat le feu avec l'eau. Allez, on. Ah oui, il est pas passé à ça. Big surprise. Dans le garage. D'accord. Ouais.
là Lazaro ou pas? Je viens de boire. Et lui aussi, c'est bon. C'est ma coach, hein? Bon, je l'ai fait réparer comme VP avec les pièces qui restaient. Vraiment? Eh ouais. Ouais, on a appelé des mécanos, on est retourné sur place, oh, on a récupéré la carte. Gracias! Bon, elle est pas aussi rapide qu'avant, hein, c'est très bien. C'est la V2, c'est pas la V3. Mais c'est pas grave! Merci! C'est pour te remercier de m'avoir sauvé le premier tour. Merci, hermano! Et Lorio, il le sait? Non, il sait pas. Si, si, je le dis, je le dis. Mais vous êtes sûr, il va pas vouloir la brûler encore? Maintenant que t'as la bonne nouvelle, bah c'est le tour de la mauvaise nouvelle. Ok. Eh bah, c'était super cher en réparation. Ouais. Toute chose en prix. Non, mais regarde! Oh, il y a les néons jaunes! Comme. Tu dois refaire identique! J'ai fait le maximum que j'ai pu. Mais gracias! Je veux 30 000 dollars. 30 000? Et moi 10 000. Et il les a pas, hermano. Et moi 15 000. Et moi 10 000. Je suis mort. Sors d'où, toi? Oh, c'est presque ça. Attends, ça, non, mais ça, c'était pas prévu, ça. Ah, ça, c'est bon. Gracias, gracias, chupa niño. Oui, mais. Bon, c'est, Lorio, pas moi, Lorio. C'est pas moi, Lorio. Je te promets. Je vais t'expliquer, Lorio. C'est quoi ça? Bah, en gros, t'as vu, je suis retourné au port avec l'équipe des Vagos de les Andes. J'ai pris la carcasse du véhicule, j'ai appelé 2-3 dépanneurs. Et... Oh, désolé. Et on l'a reconstruit. Reconstruite. On l'a reconstruite. Et du coup? Et bah, du coup, bah voilà. Hein. Et du coup, vous la redonnez à Miguel? Non, le vivant. Du coup, vous contestez mes décisions. Mais non, c'est pas le même véhicule, regarde. Mets le klaxon, Miguel, mets le klaxon. Non, y a pas le pare-choc en carton, ni sur le côté et derrière. Derrière, c'était en carton camion, aussi. T'as ton camion maintenant, je t'ai mis la bénédiction. Alors non, parce que le camion, du coup, il est cassé maintenant. Je m'en fous. Vous allez le réparer aussi, c'est pareil, je m'en fous. Tu ne reprendras pas cette coachée. Non. Quelqu'un de l'essence sur elle est enterrée. Ok, bah c'est moi qui l'a conduit et des fois elle je prête est enterrée. Miguel. Non. Demain, elle est enterrée cette coachée. Je l'ai enterrée. Miguel, on a déjà parlé de ça. Bon, attends, Lorio, pousse-toi. Il y a une solution comme la dernière fois. Hein. Non. Attends, on a mis de la plata là-dedans. Non, mais. On a mis de la plata, on va pas la rebluer. Non, arrête, Miguel. Miguel, relève-moi cette tête, recommence pas. D'accord. Miguel, arrête de me dire d'accord. T'as vu, c'est pas le même klaxon. Oh là là. T'es content là quand tu la vois? Oui, ça me fait plaisir de la voir, mais c'est pas grave. Bon, on va niquer les familles. Non, Lorio, non, tu peux pas lui faire ça, Lorio, regarde-le. Il a la tête tellement basse qu'il pourrait sucer la bite. Quoi? Viens là. Oui, Lorio. Regarde-moi dans les yeux, lève ta tête. Lève ta tête. Lève ta tête, je t'ai dit, Miguel. Dis-moi, Lorio. Lève ta tête. Y arrive pas. Si, j'y arrive. Non. Il faut que je te parle. Lève ta tête. Vas-y, monte, choupapi. Dis-moi, Lorio. Une connerie. Une. Les familles, c'est chaud, les chauffeurs. Une. Tu brûles avec. Une seule. Cette coachée? Oui, cette coachée. Ça veut dire... ça veut dire, il peut la garder? Une erreur. Gracias. Gracias, Lorio. Merci, Lorio. Oui, venga. Pousse-toi, cabron. Venga. Ouais, c'est bon. Gracias. Non, il faut sortir maintenant. Elle va le tuer. Bah oui, c'est normal. Maradon, cabron. Il est mort. Fouillez. Mais là, je peux pas passer. Non, c'est mort. Là, je peux pas. La pauvre. Aïe. C'est terminé. C'est mort. Ça me brise le cœur. Allez, lève-toi, Lorio. Putain, oui. Lorio. Non, pas putain, Lorio. C'est à moi de dire putain, Cristal. Tu vois dans quelle merde tu te fous. Cristal, je me suis pas mise dans la merde. Non. Cristal, là maintenant, c'est moi qui parle. Vous n'arriverez pas à comprendre. Comprenez qu'il ne faut pas s'attaquer à plus fort que soi. Bon, on peut mettre les armes, les mecs de chez nous. Je t'ai expliqué réellement. Réellement, là j'étais très sincère avec toi. La mort de Mads ne nous concerne pas. La mort de Rabari nous concerne.
J'ai pris mes couilles à mes mains pour parler à Lorio. C'est pour ça que je suis toute seule. J'ai besoin de personne, les mecs. J'ai pas besoin de mes frères pour parler aux gens. Bah si, t'as besoin là, j'ai eu besoin. Là, j'ai eu besoin qu'on puisse avoir Lorio. Parce que j'avais besoin de lui parler, mais j'ai pas besoin de mes frères pour parler à Lorio. Regardez. Ou de me tuer. Ouais, t'allais le tuer, on t'a entendu. Mais ta gueule, toi, on t'a pas parlé. Laisse-moi parler à Lorio. De toute façon, vous pouvez les écarter. C'est pas moi qui vais lui faire du mal maintenant. J'ai pas d'armes, j'ai rien. Donc on va aller parler tous les deux à Lorio. Écartez-vous, s'il vous plaît. T'es l'heure de s'écarter, Lorio. Vas-y, on t'écarte. Nickel. Vas-y, parle-moi. Écartez-vous. Vas-y, on t'écarte. Ce que tu n'as pas compris, Crystal, c'est que toutes ces personnes qui sont autour de toi sont moi. Demande-leur de s'écarter. Ouais, Snegan, Herman. On va parler tous les deux. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ouais, j'ai bien entendu. Sont moi. J'ai bien entendu. C'est Snegan, ouais. Et moi, je suis biker. Exactement. Donc, ces personnes, tout ce que tu diras. Même si alors je vais te le demander autrement, Lorio. Lorio, aurais-tu l'obligeance de demander à tais-toi-même de s'écarter, qu'on puisse parler tous les deux? S'il te plaît. Écartez-vous un peu. Exactement. C'est pas parce que je suis un mec que je comprends pas, d'accord? On est bien d'accord, je suis une femme et je me les porte, ok? Non mais en général, les femmes, on est bonnes qu'à la cuisine et au tricot. Et ça étonne souvent des gens. Non, pas que madame, pas que madame. Pas que quoi? Qui t'es toi d'abord? C'est super sexiste. Pas que la cuisine et le tricot, madame. Et les bambins? Non, oh, pas que. Il y a aussi la vaisselle. Eh, arrêtez! Putain, fermez vos gueules, arrêtez, les mecs! Oh, arrêtez les sexistes, là! Oh, les misogynes, là! Je vais prendre de merde! Bon. Eh bien, à jamais. C'est quoi? On se dit pas à bientôt. On se dit à jamais. À jamais. Never. On sera sûrement on arrivera sûrement à se croiser encore, Lorio, je pense. Peut-être dans d'autres circonstances. Oh, on faut jamais dire à jamais. On verra bien. Never ce que say never. Décidera. J'aimerais bien qu'on me rende mon arme, s'il vous plaît. Ma radio et mon tel. D'accord, ouais. Crystal. Tenga, ouais. Tenga, mi amor. Tu veux que je te donne mon numéro de téléphone avec? Oui, pourquoi pas. Il y en a plus, mais tu peux me passer le tien si tu veux. 7536. Il y en a dans ma tête. Gracias. Il y en a, tiens, je t'enverrai un message, Crystal. Ok, tu te les portes aussi tes couilles, toi? Oui, mais les portes. T'as pas peur de sortir avec un biker? Je suis Miguel, raconte, t'es 650 000 dollars de primes sur ma tête. Oh putain, ça c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant, cabronita. Ouais. J'espère que tu te tiens bien. Allez, benga. Et que tu as du peps. Casse ton audace. Hasta la vista. Bisous. A bientôt. Au revoir. Allez, là, t'as mes cannes. Tu vas m'appeler, hein? Non, n'oublie pas. C'est bon. Ça va, Lorio? Benga. Encore, Miguel. Il y a une surprise pour toi. Une surprise pour moi? Oui. Enfin, c'est une surprise pour moi. Mais tu sais, j'ai bien réfléchi à propos de ma coach. Et tu avais raison. C'était une mauvaise idée. Et donc? Et du coup, je vais essayer de pas trop m'en servir. Pour pas faire des bêtises. Tu vas prendre ton camion, du coup? Non, pas mon camion. Parce que tu m'as dit, mon camion, c'est pareil. C'est des bêtises. Non, je te dis, je te donne la bénédiction. Oui, bénédiction. Mais bon. Du coup, j'ai trouvé mieux. Oh, la vie de ma mère. Regarde, il a pris la moto de Los Pollos et il est peint en jaune. Il est trouvé devant le magasin de cartes SIM. Elle était garée. Du coup, il l'a pris. Il l'a ramené au barrio. Il y avait une moto de peinture jaune. Il l'a peinte. Ils sont là, Gouron. Ouais, t'as que tu veux. Alors, t'es content, Lorio? Mais dis ta mère. Qui a un couteau? Qui a un couteau ou quelque chose, s'il vous plaît? Pourquoi? Non, mais on peut tirer dessus. Hein. Non, arrête, pourquoi? Et parce que t'as rien à foutre avec une moto de police, simplement. Non, mais vraiment, est-ce que vous remarquez? Non. Les gars, regardez-moi. Escuchame. Est-ce que vous arrivez à voir que j'ai même plus de réaction? Ouais, vraiment, j'ai plus vide. De réaction. Escuchame. C'est le vide, c'est total, pas, le néant. C'est pas une moto de police, c'est la Policia del Vagos. La Policia del Vagos, regarde, c'est la Policia, mais jaune. Miguel, j'ai plus de réaction, je vous jure, j'arrive plus à avoir de réaction. Avant j'avais des réactions, j'étais énervé, j'ai rigolé. J'ai plus de réaction, Miguel. Est-ce que tu arrives à t'imaginer, sale fils de pute? Aïe. Arrêtez. Arrêtez. Por favor, arrêtez. Por favor, arrête. Arrête! Oh arrête! Oh non! Aïe!
Arrêtez! Niquez-lui sa mère! Arrêtez! Non! Por favor! Aïe! Aïe! Arrêtez! Aïe! Ramène la moto! Aïe! Ramène! Arrête! Aïe! Sale merde! Chat à ta mère! Aïe! Por qué? Tu vas voir ta moto ce qu'on va en faire. Fais une grosse flaque, reste bien, accumule. Voilà, comme ça. Ne regarde pas. Regarde. Attendez, tirez pas. Ne laissez pas mon... Tire. Attends. Arrêtez. Non. Arrêtez. Il y a des constructeurs. Non. Je vais exploser. Non. Moi j'étais Ghost Rider. Ah, il a brûlé. J'ai la haine. Il a brûlé. Il a brûlé, tu vois cette chaussure. Attends, faut le prendre, attends. Attends, je le prends. Fils de pute. Ah, ta mère. Lorio. Il s'est réveillé, c'est bon. Oh là là. Il est vraiment moche, hein. Mais t'es magnifique, là. Sache-le. Mais attends, mais il y a une couille dans le pâté. Moi, on dit que je suis moche parce que j'ai une calvitie. Lui, il a même pas de cheveux, même pas de sourcils. Et, il est beau. Il est plus beau que toi. Vas-y, porte l'orion, on y va, là. Pourquoi vous m'avez fait ça, les hermano? Pourquoi? Parce que t'as insulté le chef et tu l'as frappé. Mon jefe, il m'a brûlé le visage. T'as fait des conneries encore, comme d'habitude, tu changes pas. Non, il a juste volé une moto de Poyos. Mais c'est pas une connerie, ça? Bah, une petite. Mais voilà, mais c'est normal. Avec tout ce que tu lui fais endurer, c'est normal qu'il te baise au final. Il va devenir une barasse. T'as pas... Ça, c'est mort, ça, par contre. Pourquoi? C'est mort, ça. Pourquoi? Parce que tu viens de Rancho. Et alors? Mais c'est pas possible, tu peux pas changer de quartier comme ça. Si, je peux. Ben non, tu vas pas nous faire une panne d'épices quand même. C'est quoi une panne d'épices? Il y a un mec de notre quartier, il est parti chez les Families, tu vas pas faire ça. Eh ben, si lui il a pu, ça veut dire moi aussi je peux. Et non, c'est pas possible, nous on accepte pas nous. On va pas accepter quelqu'un qui nous a cassé tous les jours les couilles, c'est pas possible. Et les wagons ils recrutent. Mais t'as cru que quoi? T'as resté le pôle emploi ou quoi? Ben s'ils ont pris une panne d'épices, peut-être... Les vagos, tu m'as demandé. Qu'? Les vagos, c'est ceux qui viennent te virer là. Tu m'as dit les vagos, ils ont. Non, ils m'ont pas viré. Mais t'en fais quoi alors? Mais ils m'ont brûlé le visage, cabron! Bah oui, mais pourquoi tu viens me voir pour te demander si je peux venir chez moi? Y'en ai marre, ils se rendent pas compte de ce que ils rapportent. Ils leur rapportent. Tu rapportes rien, tu leur rapportes que de la merde. Tous non, les jours, c'est ils pas sont vrai! Par les flics, arrête, c'est pas vrai! Aïe! Arrête de me frapper par contre! Arrête de mentir! Pourquoi tu mens? Arrête de me frapper! Je mens pas, je le vois, de mes propres yeux. Bref, moi je mentirais. Tu m'as dit Los Families, ils recrutent. Mais j'en sais rien, moi, des Families ils font ce qu'ils veulent, mais chez moi tu viens pas, c'est pas possible. D'accord, ben va te faire enculer, balas putos, cabron de merde. Aïe, arrête. Va là-bas, allez, dégage là, avec ton visage cramé là. Dégage de cabron, là, petit Kruger là, vas-y là. Je vous encule à la mort, Los Balas. Allez, vas-y. Nous aussi on te pèse. Allez vous faire enculer. Toi aussi, va te faire enculer dans ta sultan de merde. Cabronito! Nique ta mère! Oui, nique ma mère! Vagos de merde! Ça va lui baiser sa mère, lui. C'est qui? Je sais pas c'est qui, hein, mais... Vas-y, tire. Wouah! Aïe! Ah! Ah! Ok, parfait. Non, là, on part parce qu'il y a les Families qui ont allumé le barrio. Bon, faut qu'on se voit, là.
Eh oh! Je suis parking rouge là. Eh ben on est à côté, on arrive, bouge pas. Ils ont rien capté, frère. J'en ai rien à foutre de drive-by. Là, on a Mason qui va crever. Comme Miguel. Qui? Il s'est mangé une balle. Il s'est mangé une balle. Et il y a une balle qui est restée bloquée. Un fragment qui est resté bloqué dans son intestin. Et pourquoi on est encore là, pas à l'hôpital? Parce que ces fils de pute de médecins, ils peuvent rien faire. Non mais c'est pas possible ça. Et ça j'en sais rien. J'ai été soigné, il y a un fragment qui est resté bloqué. Et s'il m'opère maintenant, c'est mort. Et il y a un risque de que ça se contamine, je sais pas quoi, mes couilles. Ah d'accord, ça te contamine. D'accord, je sais pas. D'accord, ça s'infecte. Tu veux pas dire qu'il y a plutôt un risque que ça touche un Provitol? Je sais pas, c'est les médecins qui vont expliquer. Tu veux cueillir ta brèche? Non, ta mère, Miguel. Sais, non, pardon, pardon, Mason, tu peux demander à Lorio. Lorio, lui, il est fort pour briser la vie des gens. Prenez-le avec vous dans votre véhicule. Allez, monsieur, suivez mes collègues. Ah, là-bas? D'accord. Là, ouais, là-bas, là-bas. Là, 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 viens, 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 viens. Monte, 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 monte. Avance, avance. Ta mère, la pute, monte. Aïe, mais non, mais t'es con, con, cabron. Monte, monte, ta mère. Aïe, c'est bon. Et bah non. Ok, bon, on va la faire à l'ancienne. Vas-y, et toi, non, arrête, arrête, côté, arrête, pars, pars. Non, ne sors pas de la côté. Ne fais pas ça pour moi. Non, mais là, tu viens vraiment de te mettre dans la merde. Ah non, t'es con, mais t'es trop con. M'en bats les couilles. Je vais l'assassiner, vraiment. Sachez-le, je vais l'assassiner. Tu sais quoi, le relève-toi, la chica. Et je te fais péter le crâne, je m'en bats les couilles devant tout le monde, j'en ai rien à foutre, monsieur, vraiment. Non, non. Arrête, tu es mort. T'es qu'une puta, j'en ai rien à foutre, t'es qu'une puta. Je les ken, c'est tout, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre maintenant. Vous allez tuer une innocente, vous allez mourir ensuite. Tu es mort, toi. Alors, j'en ai rien à foutre, je lui fais péter le crâne, écartez-vous tous ou je lui fais péter le crâne. Y'a pas d'armes, Y'a pas d'armes, restez, le point t'es pas, écartez-vous lui aussi. Venez par là, monsieur, venez par là, venez derrière. Ne tentez rien. Venez derrière. Il reste là. Attention à la chica, faut pas qu'elle meure. Ouais, y'a pas de signe, venez, restez derrière. J'ai besoin d'aide près du Consas Moto, s'il vous plaît. Il a demandé de rentrer. Vous tentez un truc. Rends-toi, fou et mort, arrête, rends-toi. Y'a pas déclaré forfait, j'ai un otage. Faites-le monter dans le véhicule. Dans votre véhicule, s'il vous plaît. Je vais lui exploser la cervelle, on va voir. Rends-toi. Tiens, montez dans le véhicule, montez dans le véhicule. Ils en ont encore et s'enfuient. Il monte sur l'hippodrome, il monte. Ah oui, papa! Il ressort côté parking, il ressort côté parking, il ressort côté parking. Oh merde! Non, tu peux pas, je crois! Yeah, oui, tu peux pas! Non! Ok! Ok, c'est la merde! Arrêtez-vous, monsieur! Ok! Ok! Oh. Vous pouvez pas me taper! Y'a des grillages! Tu peux pas! Bougez pas, bougez pas comme un rat. J'allais la prendre la voiture. On est sur le, on arrive sur le parking de l'hippodrome. Faut que j'arrive à rejoindre là-bas. Allez, pitié. Oh, il a raté le taser. Pitié.
Ils m'ont pas vu? Ils m'ont vu. Ils m'ont pas vu. Allez, d'or! Allez! Aidez-moi, los pollos, ils veulent me tuer! Arrêtez! À l'aide! À l'aide! Une fois, deux fois, trois fois. Arrête! Ouh, conduite! Stop, stop, stop! Arrêtez! Il conduit le frérot! Stop! Arrêtez! Prends un coup de taser. Arrête de crier, arrête de crier, arrête de crier. Yes! 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 Oh, Radamel. Ouais, je l'ai là. Yes! Radamel, je suis parti, c'est bon, je vais me chercher. Attends, je suis en cours de suite. Oh! Hermano! La côté des vagos, la côté de nosotros. Par contre, c'est pas la côté de los todos. C'est pas la côté, c'est la voiture de los todos, cabrón. Ouais, bah c'est la voiture de qui alors celle-là? C'est la voiture de toi. C'est la voiture de monos. Oui, la voiture del Bonos, c'est bien. Bon, du coup, on fait quoi, cabron? Parce qu'on est que deux. Y a pas l'Orio à embêter. Il faut qu'on trouve des bêtises à faire pour mettre los vagos dans la merde. Mais je crois que c'est une grosse bêtise à faire. C'est quoi ta bêtise à faire? Bah, en gros, t'as vu, Salvador, c'est mon oncle. Et oui. Je crois qu'ils ont prévu des trucs de fou ce soir. Quel truc? Et ils voulaient. Bah, je sais pas, ils voulaient pas me ramener. Vas-y, demande à Salvador. Si on les espionne. Vas-y, demande à Salvador, donde esta. Attends, mais y'a les familles, c'est les balades? Fais ouais. Attention avec ta voiture. Ah, c'est donc ici la réunion de l'illégal, oui. Pardon, hermano. Pardon. Mais vous avez renversé une dame, monsieur. Ouais, y'en a rien à foutre. Non, vous avez rien à foutre. Ma mère, je vais t'enculer, là, tu m'en fais mal. Venez, chien. Pardon, mais parce qu'il y a los balas, si c'était avec vous, du coup. Monsieur, écoutez, il n'y a pas de bananas ici, monsieur. Balas, pas bananas. Oui, monsieur, vous êtes bien rouge, monsieur. Je suis brûlé. Je suis brûlé. C'est mon jefe, il m'a brûlé. Oui, vous êtes une tête brûlée, on peut dire ça comme ça. Il n'y a plus de poils. Oui, allez vous excuser auprès de la dame et donnez-lui un petit 10 000 dollars pour réparation, monsieur. Cabron. Tu sais qui je suis? Non, c'est Cooper, monsieur. Moi, je suis Miguel Raconte. 650 000 est de prime de dollars sur la tête. Je suis recherché. Mm-hmm. Hein, tu ne sais pas qui t'adresse. Si je veux, je te tue, cabron. T'as bien compris? Attendez, je note. S'il veut, il me oui. Tue. Mais qui est ce cabron, monsieur? Mais non, mais c'est vous, cabron. C'est qui, vous, monsieur? Vous, c'est vous cabron. Vous êtes cabron. Vous, moi, monsieur? Bon, vous, cabron. Et vous, c'est Pichi Bandero. Cabron. Alors, attendez, je note. Et lui, c'est qui? Je crois qu'on n'entend pas ce cabron. Il essaie de parler, mais... Oui, écoutez, il voit ses lèvres qui bougent, mais... Écoutez, monsieur, il s'est mordu la lèvre quand vous avez foncé dans notre véhicule, monsieur. D'accord, là il est au téléphone, d'accord. Oui, Sterling. C'est les deux qui Bluetooth, monsieur. Sterling, allez donc vous reposer. Non, Sterling, j'ai l'impression qu'il t'entend, mais de loin. Écoutez, on entend un poquito, Mais je ne l'entends pas. Si, attends, écoute ça bien. Tu l'entends, d'air? Je ne l'entends pas. Si. Bon. Écoutez, si Sterling, allez vous reposer, Sterling, s'il vous plaît. Si, il entend un petit peu, il a dit un de, bon, Sterling, monsieur, tu as dit monsieur, ça venez, tu as dit venez, un de monsieur. Oui, Armano, quoi Vous avez le soleil qui frappe sur la tête de toute évidence. Monsieur Oui. Donnez-moi un petit peu d'argent, monsieur, que je le donne à cette dame que vous avez renversée pour payer. D'accord, Benga, on va voir la dame. Qui est Benga? Dis donc, je ne comprends pas ce dialecte. Oui, cabron. Elle est même pas là, cette cabronita de merde. Wouh, cabronita. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, vous pensez que nous sommes à un festival là, monsieur? À crier comme je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce, monsieur? Qu'est-ce que tu me veux, cabron de merde? Je veux un peu d'argent, monsieur. Mais va te faire enculer, toi et ton argent! Oui, travaille! Travaille comme tout le monde, hein! Monsieur, nous sommes avocats, monsieur. Et alors? Vous êtes recherché, non? Oui, c'est vrai. C'est peut-être le moment de faire. Attends, il revient, bougez pas. Tchou papi! Arouma!
Allumar! Tu peux plus! Aïe! Arrêtez! Allumar! Allumar! Monsieur, arrêtez! Aïe! Chaîne, merde! Aïe! Oui, je recule, monsieur, arrêtez-vous! Calmez-vous, s'il vous plaît! Je te pète un cul! Grimpar! Sous papy! Pardon! Arrêtez! Je reste sur une voiture, garçon! Aïe! Arrêtez! C'est une évidence, monsieur, vous avez enfreint plusieurs règles de la route, monsieur! Vous avez enfreint! Monsieur, arrêtez-vous! Elle a pas explosé! Monsieur, vous êtes démonié! Vous êtes démonié, monsieur, calmez-vous! Sous papy, elle a pas explosé! Mais pourquoi? Mais je sais pas! Y'avait pas assez de feu, y'avait pas assez de feu. Tu pencheras jamais dans ton cul. Monsieur, madame, vous avez débouché, madame. Alvarez. Monsieur, sortez de là, monsieur. Oh là là, mais nous assistons à un meurtre, Sterling, un meurtre, Sterling. Je vous rappelle, Cooper, je vous rappelle. T'es ça. Arrête, Alvarez. Arrête. Merde. Arrête, Alvarez, arrête. Passar al barrio, passar al barrio après. Monsieur, calmez-vous. Excusez-moi, hermano, la voiture elle fume, tu peux la réparer? Oh, c'est triste. Mais monsieur, vous avez vu ce que vous avez fait, putain, vous avez cramé une voiture. Toi-même, tu sais la réparer, fils de qui? Por favor. Monsieur, il y a une dame avec le nez bouché qui vous parle. Alvarez, qu'est-ce que tu veux? Aïe. Vas-y, viens, viens. Pourquoi viens, vous tapez viens, mon collègue? Madame, c'est complètement, écartez-vous. Monsieur. Si tu mens, je te pousse. Je vais te pousser. Je vais te pousser. Tu vas pas me pousser. Ah bon? Ah! Attendez! T'es sûr? Non! Ah! S'il vous plaît, descendez, monsieur, ça sert à rien! D'accord, descends, il descend! Il est bloqué! Il est bloqué! Je peux pas. Voilà, descendez! Ok, on le tient en otage! Non! Il est pris en otage! Non! Descendard! Non, mais non! C'est bon, il faut que tu m'en t'y occupes! Vous l'avez vu là! Bien joué. Ne restez pas là. Oui, protégeons notre client. Bon, vite. Ok, faites distraction et il y avait pas terre. Oui, on fait semblant de parler avec lui. Oui, monsieur Miguel. Monsieur Miguel, oui, oui. Oui, ça suffit. Il y a les poyos qui arrivent dans la direction du quartier. Ok, ouais, il est bugué là, c'est pas possible. Les personnes qui sont en train de tirer avec des armes dans le barrio, je vais vous enculer. Ouais, arrêtez, arrêtez, pour favor. T'es en fou, toi. Oh, oh, il défie le duc. Lazaro, tu défies le grand Cavasman. Viens au barrio, je t'encule ta mère tout de suite. J'arrive. Tu vas rien faire, Moreno, tu vas rien faire. Ramenez-vous. Venez, venez, venez. Je vous tire dessus. Ah, j'ai perdu mon arme. Bah, attendez, attendez. Je lui ai apprendre ton moment. Quand l'Oreo n'est pas là, les vagos pensent. Hein. Attends, mais est-ce qu'il n'y a pas un masque qui correspondrait mieux au. Qui irait bien, attendez. Attends, attends, non, il pète sa mère. Oh, moi je vais me cacher parce que j'ai plus de visage. Vous êtes où les hermano? Toi t'es où? Ma barre. Viens à la déchetterie, viens à la déchetterie près du quartier Families. Quoi, t'es en train de faire une connerie? Mais arrête. Arrête, arrête, Carvici, de tirer, por favor. Ok, bouge pas, j'arrive. Ne bouge surtout pas de l'endroit où tu es actuellement là. Ne bouge attends, pas. Mais c'est qui tire? Qui tire? Je sais pas. J'ai peut-être mon idée, hein. Vas-y, propose. Laza, arrête de tirer, Laza. Et frérot, je te jure, je vais être Deadpool, je crois. Non, ah. C'est pas moi, il est pas tiré, c'est pas moi. Oui, oui. Non, c'est... Et ma bite, c'est du poulet aussi. Pour de vrai, c'est pas moi. Ah bah oui. Les tirs, ils venaient d'où? Ben, je sais pas. Mais c'est pas moi. C'est quoi ce masque? Je suis brûlé, cabron de merde. Arrête. T'es brûlé? Ben oui, l'Oreo. T'es brûlé comment? Mais. Ah, tu m'as pas vu hier? Je sais, c'est moi, je t'ai ramené à l'hôpital. Mais ben voilà. Quoi. Ben voilà, cabron. C'est moi, j'ai tiré sur la flamme qui t'a brûlé. Aïe. Arrête de tirer! Les poyos juste à côté du barrio, vas-y, va ranger ton arma avant que je t'en queue. Je me cache, les poulos. Arrête de tirer, Miguel, y'a les poyos juste arrête à côté. Arrête de courir, je vais t'arrêter. Mais y'a tire pas! Eh, vas-y, venez, on va voir les balles de merde. Sa mère la pute! Ça va, hermano? C'est qui tire? Alors là, tu sur la Santa Maria, tu tires pas? Non, il sur la Santa Maria, il a pas tiré. T'as vu, je dors sur la Santa Maria, c'est quoi? Il filme pas. Je t'ai dit, hey, hier, je t'ai sauvé une fois, c'est fini. Maintenant, je te sauverai plus. Et s'il faut te mettre dans la mer, c'est toi qui as tiré sur la flamme. C'est à cause de toi que je suis comme ça, cabron. Au moins, ça t'apprendra le son, sale pouca. Tu peux pas me tuer. Tu m'as déjà tué, cabron. T'es moche. Je suis déjà mort. Berk. Va te faire foutre. Jodé puto. T'es tué de l'intérieurement. Même de l'extérieur, il n'y a plus de visage. Ah ouais, mais si t'as un visage encore. Non, cabron. C'est terminé. Tête brûlée, fais gaffe à ta tête. T'es moche, t'as même pas de cheveux en plus. Tête brûlée, dur à raisonner. Donc y'a pas de chance en amour. Oh, c'est moi. Alors, Emilio, on se voit si tu veux. Oh, mais après, je dois retourner bosser. Oh, mais c'est vraiment moi. Regarde bien, je suis Deadpool. Alors,
Hein? Mais tu fais quoi là? Alors? Sérieux? T'es vraiment un niquin. Tu penses que tu peux faire du barrio va gauche jusqu'à la raquette là comme ça? La raquette laquelle? Le barras. La raquette de tennis, tu veux con quoi? Tu veux que j'essaye? Non. Vas-y. Il faut péter un câble les balas. Miguel, t'es pas en train d'aller dedans la raquette quand même, genre pas dedans. Il y a celui dedans. Non, sors. Ok, il sort. Mais les Armando, vous trouvez pas ça inquiétant là, les sauts que j'ai fait? Genre, tu veux que je te dise quoi? Ça vous paraît normal? Venant de toi, ça ah c'est non, pas je trouve pas ça normal, mais tu veux que je te dise quoi? Bah super, t'as des super pouvoirs, tu veux que je te mais comment ça se fait, camarade? Pourquoi personne ne s'inquiète? Mais je te mets des balles dans les genoux, tu sautes un peu moins, c'est ce que je veux que je te dise. Pitié, dis-moi que c'est pas toi qui es en train de la rafale, pitié. Nah, c'est pas moi, Armando. Ok, je suis en train de monter sur le toit. Deux minutes, je recrute ton mec. Mais t'es une camarade, tu vas pas m'attraper, hein. Tu sais que tu m'as ken là? Hola, hola! Oh oh! Hola, Lorio, hola! Pourquoi quand j'arrive j'entends c'est toi qui rafale, etc.? Lorio, faut que je te parle! Vous allez bien déjà? Tout va bien, les amis? Ça va, non, ça va pas, ça va pas! Oui, ça va, Herbado! Ma mère, ça va pas! Prends un Doliprane d'avance! Barrio! Lorio! J'arrive! Lorio, je suis devenu bizarre. On a un super héros, Barrio. Il a des super pouvoirs, il saute en l'air! Lorio! Il est vraiment haut! Attends, parle pas à la radio, il faut que ça reste secret! El Vagos! Et Armando, c'est une bonne nouvelle, ça peut servir. T'as à boire ou pas? Non, il y a Lazaro au tacos. Ouais, j'ai. Ça peut servir à quoi exactement? T'es au tacos, Lorio? Non, j'arrive au barrio. Putain, non, il y a mis blindé devant le barrio. Non. Arrête de tirer! Il me tire dessus! Ils ont répliqué, hein. Arrête de tirer, Miguel. Mais il me tire dessus, Cameron! Mais tu leur tires dessus, c'est normal qu'ils répliquent! Tu craches sur quelqu'un, il va pas se laisser faire, il va te cracher dessus. Mais ils ont des M4, arrête. Je pense que là, faut qu'on bouge là. C'est bon, tire, arrête de tirer. Là c'est pas moi par contre. Mais non, mais c'est Borino, en plus tu tires et ça sert à rien que tu tires là, ils sont partis hein. Non, ils sont là-bas, ils reviennent là, ils ont fait demi-tour. Armando. Vas-y, montre-lui Miguel. Rodio, regarde direction du tacos, regarde. Tu me vois. Regarde, depuis l'opération. Aïe, cabronito. Je sais pas ce qui m'arrive, Lorio. Vraiment, j'ai déjà pris un Doliprane, moi, perso. C'est moi, c'est Miguel. J'ai mis un masque pour camoufler mon visage. D'être cool. Attends, je me suis peut-être mal réveillé ou un truc, c'est pas possible. Je vais serrer ma tête. C'est quoi ce truc-là? Il saute à des kilomètres. Lorio. C'est quoi ça? Lorio. Oh, ouais. C'est quoi ce masque que t'as mis? Mais c'est pour. C'est quoi ces sauts là? Il se passe quoi là? Je sais pas ce qui m'arrive. Il est où le fil? Non, regarde, c'est moi. Regarde. C'est bien moi, mais hermano, depuis. Allo, m'entends ou pas radio? Et donc là, tu vas me faire croire que je fais des sauts de Jean Barrio. Ben regarde. Y'a un truc de fou ou pas? Bah t'as un gars qui saute à des kilomètres quoi. Je sais pas quoi faire. Ben retire tes moonbeats là déjà au pied là. Attends, il va voir si los pollos ils arrivent. Wesh! Attends! Ouais, regarde ce qu'il fait! Peter Vagos? Non, je suis Deadpoolos! Deadpool! Non, t'es trop fort! Non, je pense pas! Depuis mon opération, cabron! Qu'est-ce que tu me racontes encore? Attends, enlève ton masque juste deux secondes! Ah, mais ça n'a la honte! C'est chiant! Nique ta mère, toi! Nique ta mère! C'est qui tire là? C'est qui tire? C'est los pollos! Oh wow! Arrêtez de tirer! Il y a un blindé! C'est Miguel, il rafale tout le monde! Ok, revenez tous dans le barrio! Je suis là! Lazaro, pardon, viens, attendez, tous dans le barrio! Vous avez tiré sur des keufs là? Non, par contre! Non, c'est pas Miguel, c'est pas vrai! Écoutez, je sais pas s'ils vont faire une descente ou pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, là, il y a un blindé en bas! Ils partent là, direction Balas! Ok, on reste ici! Le quartier, il est à nous! On défend d'autre. On défend le quartier ici. On défend d'art. On parle pas. Mais Vagos Locos. C'est nous qui les avons attaqués. On les a attaqués en avance. Vagos Locos. Il y a une deuxième coutume qui arrive. Je vais attendre. Vagos Locos, ça la muerte, cabrón de mierda. On est mort. Si ça tire, Miguel, t'es le premier vie que je vise. On est mort dans 5 minutes. Hein. On va pas mourir. Des on va descendre. On va défendre El Barrio.
Venga, rapido, rapido, hermano. On est mort, hein. Ferme ta gueule. On est archi dead. Arrête. Non. Arrêtez Miguel. De crier à la radio, là, la putain de vos mères. Mais il tire encore. Son là, il peut tirer pour en aller. Miguel, descends de là et fais-moi monter avec toi. Prends ma main, prends ma main. Ah, vas-y, attends, je prends ta main. Mais je suis... T'as bien pris sa main, là. Ça marche, vas-y, saute. Non, ça marche plus, c'est des fois en fait. Oui, ça marche. Non, je te promets, c'est des fois là, regarde. Je comprends pas. Je vais aller voir si c'est pas une descente. Mais quoi, il va falloir de la kryptonite maintenant pour te tuer ou c'est comment là? Je comprends pas. Je sais pas, il y a du mal encore à gérer les pouvoirs. Mais quel pouvoir? Je vais te buter, Miguel, je vais te buter. Là, c'est quoi là? On est dans Avengers, c'est quoi là? Lorio, je sais pas, je comprends rien. Et vas-y, c'est quoi ton nom maintenant? Bah, c'est Miguel. Mais quand il y a le masque, je suis Deadpoolos. Deadpoolos? Oui. Deadpoolos? Deadpool il meurt pas, donc attends, on va essayer pour voir. Non, il meurt, non, il te promet, il meurt. Bah vas-y, je vais essayer comme ça, moi, si tu meurs. Non, ça me fait, tranquille, c'est fait, pour moi. Il va mourir, ouais. Arrête. Essayer, mais je sais pas, hein. Mais je pense qu'il va mourir. Tu penses? Oui. Tu penses vraiment? Ouais, je pense qu'il va mourir. Ok, tu sens la douleur ou pas? Oui. Aïe! Aïe! Cabron! T'as bien senti? Non, c'est le rouleau là, il tire. Oh, regarde! Ça cicatrise! Regarde! Le trou se referme! Mais non, arrête. Tire dans la tête? Arrête ça, Miguel. Tire dans la tête. C'est bon, hermano. Il est immortel maintenant, ce fils de pute. J'ai vu. Je sais plus quoi faire, vraiment. Mais tu sais que t'as changé ma vie. Vraiment, t'as changé ma vie, mais en mal. Grâce à toi. Y'a pas eu. Non, arrête. Toi aussi, tu as changé ma vie. C'est grâce à toi, tout ça. Tu sais, Lorio, chaque acte a des conséquences. C'est descente. Trois blindés là qui sont. Là, c'est descente. Il y a une descente, Louis. On va prendre une descente. Je lui fais payer, Lorio. On défend le barrio sous les ordres de Lorio. Vas-y, j'arrive. Escucha. Comment ça, il y a une descente là maintenant? Oui. Lorio, il faut que tu saches. Chaque acte. Ok, je veux savoir pourquoi il y a une descente. Escucha, mais. C'est sûr, chaque acte a des conséquences. Tu as voulu me briser ma vie. Et à chaque fois, je me suis reconstruit plus fort. Et merci, Lorio, c'est grâce à toi tout ça. Vous avez juste regardé. Vagos Locos! Et là donc, tu crois que là, vu que t'es immortel, je vais pas te baiser ta mère. Si tu n'avais jamais détruit ma coach, si jamais tu ne m'avais pas brûlé, on n'en serait pas là. Si tu m'avais laissé tranquille, laissé faire, mon puissance n'aurait pas été exponentielle. Okay. Explique-moi maintenant quel est ton objectif. Je vais détruire los balas, los familias y los pollos. En tant que super-héros. En tant que super-héros. Aïe. Y'a pas de super-héros. T'es Miguel. Aïe. T'es Miguel. Raté, arrête. Quoi? Arrête. Miguel, arrête ça. Por favor. Miguel, arrête. Miguel, arrête. Arrête, Lorio, par favor. Il veut pas Miguel, faire comme hier. Par favor. Allez, vas-y, tape. Arrête. Y'a los pollos qui arrivent. Y'a los pollos! Arrête! C'est Miguel là, vas-y! Arrête! Vas-y, t'es Miguel! Lorio, Miguel! Defcon 3 sur le Rancho? Ok, oui, ils vont faire prenez les armes! Prenez les armes! On. Personne attaque le. Attendez, mais Lorio, il est possible de pas enlever là. Y'a personne. Entre nous, oui, mais pas avec les flics et tout, jamais. Je suis pas fou, frère. Je passe pas les poubelles. Entre nous pour rigoler avec Lorio. Je le mets, mais pas pour des vrais scènes avec d'autres joueurs, non. C'est moi la voiture blanche, ça commence à pas me faire chier. Va aller chercher une arme de. Moi il me faut des munitions. Ah ok, d'accord. Moi il me faut mort de munitions. Ouais, t'as le temps. Moi c'est moi qui arrive, J'y vais à dos de Deadpool, franchement, je vais vite. Non, mais il ne maîtrise pas bien ce pouvoir, c'est aléatoire. Des fois ça marche. Non. Je vais me changer. Et là, il me sent faible, il sent que il est plus immortel. Écoutez, en tout cas, moi, le message que je peux vous faire passer, c'est que ça a été cool de vous rencontrer, les gars, vous êtes pour délire. G-Force. Lorio, il ne maîtrise pas encore bien. J'entends les sirènes, j'ai l'impression. Mais gracias, Lorio, si tu ne m'avais pas brûlé, il n'aurait jamais eu ce pouvoir. Merci, Lorio. Je vais te l'enlever. Merci, je vais passer à Maria, je vais t'exorciser ou un truc comme ça, parce que là... Merci, Lorio. C'est pas possible. Non, ne dis pas merci, arrête de me dire merci, c'est pas un truc bien. Merci, Lorio, merci. El Diablo, tu es El Diablo maintenant. Non, Starfella, arrête.
Arrête de dire ça, arrête, je vais te remettre en question là après, arrête. Oui, je sais, mais arrête. Mais si, tu es El Diablo. Non, je suis Del Puros. Arrête là, tu m'as fait peur par contre. Tarfala, arrête. Arrête. Moi aussi j'ai peur, ben moi aussi j'ai peur. Mais oui, mais là tu es El Diablo. Mais après c'est le Ramadan, y'a pas les genoux, non. Ils sont enfermés. Arrête. Non mais c'est vrai. Ouais, bah je l'ai posé. Non c'est vrai, ils sont enfermés pendant le Ramadan. Mais il y a des gens, ils prennent des armes, ils bref, ils sont pas tirés. Ouais, je vois. Pas tous. Voilà. Oui, c'est vrai, pas tous, mais bon, la plupart. Mourinho bref, et viens, arrête de parler de ça. Arrête, non, arrête, par favor. Dis autre chose. Vous savez que normalement, dans le coffre, on a en plus l'arme de Kaïda. Autre chose, par favor, arrête. Il aime pas. Là, nous, on s'en bat les couilles. Par favor, il y a des frissons, arrête. Mais c'est dans l'appartement, il y a tout. Il y a rien, je suis à la porte, là, il y a rien du tout. Arrêtez de mentir. Deadpool, c'est bien Deadpool. Okay, ils vont... okay. Là, ils sont sortis du Comico, mais ils sont garés juste devant le Comico. Deadpool, ça pue sa mère, tu es pas Deadpool. Il y a zéro coup. Ghost Rider Ross. Attendez, mais juste, c'est quoi les ordres? Non, on tire ou... on va trouver un nom. Regardez. Super Vagos. On fait comment s'en tirer? De ne pas tirer, vous ne tirez pas. J'ai réfléchi. Dos Poyos. Dead Locos. C'est qui là-bas? C'est qui en bas qui court? Vagos. C'est moi. Ils sont encore. Regarde le toit en face de toi, on est prêt. Rey Mysterios, non, ça pue la merde. Il y a actuellement. Si, mais c'est mieux que Deadpoolos. Mais Deadpoolos, c'est bien Deadpoolos. El Cuyos. Et toi, on va t'appeler El Nick Tamadre la putas. Aïe, arrête. Aïe, arrête. Arrête, après, il va être lourd pour le gunfight avec Los Poyos, arrête. Elle va se garer là. Lorio, tu m'entends ou pas? T'as dit quoi? Il est pas en radio, je crois. Tu catalyses quand tu veux. Lorio? Non, pas quand il veut. Il t'appelle à la radio, Lorio. Demande à Lorio d'activer sa radio. Il est là. Lorio, Miguel, il est à côté de toi ou pas? Oui. Ouais, il est avec moi. Oui. Miguel? Oui. Oui. Tu m'entends, Dar? Miguel, tu m'entends toi ou pas? Oui, moi, il t'entend et toi, tu m'entends? Ok, oui, je t'entends. Eh, hey, Miguel, j'ai un cousin qui va se pointer là. Ça arrive. Cette descente, y'a moyen ou pas? Non? Y'a 9 blindés qui arrivent là. Nueve? Ok, ouais, dis-lui de venir. Dis-lui de venir. Ok, bah il arrive. C'est bon, il sort. Nueve? Nueve blindés dos? Si. Hermano, force à nous. Hein. Y'a même les shérifs. Ouais, y'a 9 blindés. Mais arrête, ouais. Je vous jure que c'est notre jour et qu'on peut le faire. Mais ils ont pas fait ça pour Diego. Pour Diego, ils ont pas fait ça, cabron. Tous sont pas liés. Tous sont. Allez, les gars. Allez, c'est parti. Il faut que t'habilles mon cousin, s'il te plaît, Miguel. Qu'est? On s'en bat les couilles là, ils arrivent là. Tu m'as dit quoi? On fait comment pour descendre? Je vous dis tu peux pas. Quoi? Oui, ça y est, tu peux pas. Tu restes ici. Mais tu vas me faire descendre d'ici tout de suite. Hein. Y'a papa, cabron. Ok, ils ont comment? Regarde, non, radio, écoutez-moi. Les balas viennent de m'appeler. Ils m'ont dit, il y a 12 blindés qui débarquent à R. 12? La vie de ma mère, ils m'ont dit 12. Non, les balas, elles me disent 12. Je suis sur le toit là. Ok, les Hermano, yeux, vous aimez. Mon cousin, s'il te plaît. Quoi? Le premier qui se fait coucher, sa mère la pute. Abille! Radamel, il m'a dit de donner ton arme là-dedans. Donne-lui des vêtements, mon cousin. C'est qui ton cousin? Je confirme, tu vas lui donner. Hein? Ah, il est compris, d'accord. Oui, c'est qui son cousin? En fait, j'arrive pas à caler, il sort. Miguel, c'est qui? Non, mais c'est son cousin, son cousin. Il s'appelle comment? Il s'appelle Maisones Lorenes. Estoy una. Parlez juste pas à fond dans la radio, s'il vous plaît. Mais tirez pas direct, on veut d'avoir voir ce qu'ils veulent, d'accord? Et si ça part en couille? D'accord? Ça arrive. Vous avez compris? Oh, t'inquiète. Merci. Les hermanos, on la tire pas dessus direct, on laisse Lorio gérer les négociations. Là, ça fait vraiment peur par contre toutes ces sirènes. Ça fait vraiment peur. Je m'entends. Au stress, c'est parti. Ouais, t'inquiète pas, Kaiden, force à toi, on t'aime. Ils sont là, laissez-moi parler. Viens, on t'aime. Paradios, mi hermano. Paradios, hermano. Para Vertugo même. Ils sont au tacos, ils font le tour. Mais ils ont jamais fait ça pour Diego, pourquoi ils font ça pour nous? C'est beau, en tout cas, objectivement, c'est beau. Mais quoi que ce soit beau. Ça, c'est vraiment beau. Lorio, fait quelque chose. Il va négocier, laissez-le parler. Approchez. Mais hermano, on est muerto. Miguel, nous on a confiance en nos hermano, t'inquiète pas. Je vais pas vous tirer dessus, approchez. Ils ont tous des M4. À 12 blindés pour me dire cessez le feu. On est si dangereux que ça? Eh ouais. Alors j'ai dit, il y a deux jours, vous avez fait la même chose. Vous avez abattu des civils qui n'avaient rien fait, des innocents. Comment vous expliquez ça? Qui a abattu des civils? Ouais, qui a abattu los civils? Quelqu'un qui se mettait sur un toit et qui tirait sur tout le monde. Il était comment ce quelqu'un, s'il vous plaît? Décrivez-le-moi. C'était qui? C'était lequel, le malade qui tirait sur... Décrivez-le-moi bien. Ouais, décrivez bien. Miguel, racontez. Il a abattu plusieurs... C'est pas vrai, cabron. Arrêtez de mentir. Il a voulu faire une prise d'otage directement.
Non, ah, moi bah, moi, des civilistes oui. Jamais. Pourquoi ils vont mentir? C'est un prétexte pour... Comment ils ont sorti ton nom, Miguel a raconté? On va tous vous voir. Arrête ça, arrête ça. Écoutez, c'était... monsieur, tout doux, tout doux. Attendez, c'était quand qu'il s'est passé ça? Je veux juste savoir. Il y a un individu qui prend sur les branches aussi du bâtiment. Est-ce que c'était le jour où il y avait une négociation avec des poyos ici? Exactement. Fils de pute, tu m'as pas raconté cette partie-là, hein? On va régler ça après. Mais non, il lui a dit Carbaro. On règle ça après. Des tirs sont essuyés trop souvent ici, d'accord? Vous faites peur à la population, il y a trop de déménagements, d'accord? L'immobilier est en crise. Hermano! Ok, vous êtes agent immobilier ou vous êtes poyos? Monsieur, on reçoit des plaintes à longueur de journée, c'est insupportable, d'accord? J'en ai rien à foutre ici, il y a personne d'autre que les vagos qui habitent. Los vagos locos! Population autour pour que vous tirez sans cesse comme ça. Alors si vous n'arrêtez pas de tirer, on sera obligé de rentrer dans votre quartier par donc force. Donc là, je suis obligé de vous dire, oui, on va arrêter. C'est très bien, monsieur. Bonne décision. Non, viens, on le terre dessus. Non, mais c'est une question, c'était pas une réponse. On tire. Non, là, je suis en train... Non, c'est une question. Escuchame, cabron de merde. La dernière fois, on vous a dit quoi? Tu te mets en slipo et on arrête. Et tu as pas voulu te mettre en slipo. Maintenant, on a dit slipo au plomo. Donc est-ce plomo, cabron de merde? Oh wesh! Oh, je suis mort! Ils vont tous mourir! Tiens, des munitions! Oh là là, ce qu'on a pris! Mais wesh, Pélo! Lorius, Tony Montana, il a fait comme ça! Il a dansé le rail! Pourquoi tu m'as pas prévenu? Aïe! Pourquoi tu m'as pas prévenu? Aïe! Pourquoi tu m'as pas prévenu? Aïe, hermano! Merda de puta madre, pourquoi tu m'as pas prévenu? Hermano! Miguel, tu m'entends? Oui, il t'entend et toi tu m'entends? Oui, pourquoi tu m'as pas prévenu, fils de pute? Mais hermano, je pensais pas que ça allait partir en couille comme ça! Ils étaient en train de nous viser tous les deux, fils! Je vais te canner, Miguel, je vais te canner! Je vais canner et je vais te canner! Attends, mais bon, ils vont pas pouvoir monter sur le toit? Non, faut rester ici! Ok, mais on va se vider de notre sang, Miguel! Non, moi je cicatrise! Cicatrise-moi, Miguel! Je peux pas! Souffre sur mes blessures comme dans la ligne verte! Pardonne, je me suis pas brossé les dents, pardonne! Tu sens la bricolette, Miguel? Ils ont tiré sur mon collier magique, hermano! Il a envie, lui? Esperanza de la vida de Saito Pocotos, 10 minutos! Pokémones, attraparos todes. C'est quoi ça? Ensemble pour la victoire. En vrai de vrai. Pokémones, rien ne nous arrêtera dos. Notre amitié triomphera dos. Pokémones, attraparos todes. Ensemble pour la victoire. Ça demande à dos pouvoirs. Pokémones, attraparas todos, attraparas todos, Pokémones. Vous êtes incroyable, donc lâchez un feat et c'est bon. En plus, l'assassin, la vie de ma mère, vous pouvez la gratter facile. On a une autre comme ça? Il sait pas, il prend des chansons françaises et après il met l'accent espagnol quoi. Vas-y, mets-en une. Tu veux que il te fasse quoi? Je sais pas, n'importe, choisis. Vas-y, choisis-toi. Fais Inspecteur Gadget. Je sais pas s'il y a. Ah oui, fais Inspecteur Gadget. Non, mais qui voilà, l'Inspecteur Gadget. Non, mais qui voilà, UUS. Non mais qui voilà, l'inspecteur Gadgetes. Non mais qui voilà, Ares. Toutos. Il a juste repris S. Aïe. Tout le monde descend, tout le monde descend. Que vraiment? Aïe. Stop, c'est fini. Aïe. C'est fini. Aïe, d'accord. C'est fini. Arrêtez. Aïe. Si vous avez un pistolet sur vous. Moi, il bouge pas. Bouge pas. Je regardez, je me mets contre la voiture. Regardez. Et vous êtes armé, monsieur? Arrêtez, vous me faites peur! Non, vous pouvez avec me fouiller, le fusil à pompe! Je vais juste vous faire une palpation de sécurité, ok? Allez, bah fouillez. Je ne vous fouille pas, je fais juste une palpation de sécurité. Mais même vous pouvez me fouiller, y'a pas de soucis. Ah! Quoi? Ouais, Benaï! Aïe, vagos à terre, aïe, arrêtez, mais lâchez-moi. Non, lâchez-le. Lâchez-moi. Je vais casser mon
Monte. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qui êtes-vous, cabron? Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais toi, putain de câble. Il était sur la route, comme par hasard. Je vous ai vu, les amigos, los vagos. Qui étaient dans la mer. Vous avez fait comment? Vous avez fait un carnage, là. Putain, Samir. On était en course-poursuite et d'un coup, vous avez apparu comme ça. Vous êtes en train de vous en sortir? Non, justement, ils nous avaient menotté. Non, mais toi, mais tu es complètement loco, cabrón. Mais ça va pas la tête.